des émotions. Bonsoir, non bonjour, c'est le jour aujourd'hui, c'est le jour, oui, c'est que c'est le jour. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien, bonjour à vous. Bonjour, 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 et coucou Kebab. J'espère que tu vas bien, bonjour. Ah, Mother 3, incroyable. Ça va super et toi? Bah ça va super, merci, ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va, je suis pas fatigué aujourd'hui, ça va aller. C'est tranquille, c'est tranquillou. Et bah ouais. Petite découverte de Mother 3, hein. Bon, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais ça va être très cool, ça va être très cool. Mother 3, bah c'est un jeu, bah c'est une licence que j'aime beaucoup, hein, Mother, enfin Earthbound, qu'on connaît surtout sous le nom d'Earthbound chez nous, bah c'est une licence que j'aime beaucoup, j'adore cette licence, elle est incroyable. Et Mother 3, bah c'est celui qui me manque en fait, enfin j'avais fait le 1 jusqu'à une bonne partie, faut que je le termine.
Et ensuite, bah, je verrai. Bah, c'est ça, je stream pas pour les stats, non, bah, ça c'est clair. Sinon, je ferai pas de stream sur ce jeu, je ferai pas du Dragon Quest. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ouais, Mother 3, jeu légendaire. Jeu légendaire que, bah, peu de gens ont fait, mine de rien, parce qu'ils attendent une traduction qui n'arrivera pas, malheureusement. On a vu dans le dernier Nintendo Direct au Japon, ils l'ont annoncé sur le Nintendo Online. Évidemment, il est qu'au Japon. Chez nous, ils l'ont pas mis parce qu'évidemment, il est en japonais, on comprendrait rien. Mais bon, écoutez, le hasard fait bien les choses. Le hasard du calendrier fait qu'on y joue aujourd'hui. Alors bon, j'ai fait un peu mon devin en faisant faire l'annonce, mais bon. Je ne suis pas des leurs, j'ai presque fini le jeu. Ah ouais, déjà, mais waouh. Ah, mais du coup, peut-être après, tu feras le 1 et le 2 alors. Je pense que tu feras le 1 et le 2, alors Earthbound et Earthbound Beginnings peut-être. Ça va être cool. Ça va être cool. Alors, attendez juste que j'apparaisse. Voilà, je suis là, regardez-moi ça. Je suis la petite musique, attention. La musique toute chill. Voilà, ça c'est la musique du 2, ça je la reconnais. Avec les sonorités, c'est le 2, je crois. Voilà, c'est let's go. C'est les émotions, ben oui, c'est les émotions, évidemment que c'est les émotions. Ah ben Mother, c'est une belle licence, mais... Ouais, malheureusement c'est une licence bah, qui est à l'arrêt, hein, mine de rien, parce que c'est normal, le créateur il veut plus faire de Mother et c'est normal. En tout cas c'est pas ce qui est prévu. Mais bah oui, jeu légendaire que personne ne connaît, très peu de gens en tout cas. Mais en vrai, le deuxième jeu il a quand même pas mal de réputation, le deuxième jeu, Earthbound. Parce qu'il y a quand même eu une NES dans Smash, il est accessible, ils l'ont mis un peu partout en anglais et tout, donc ça va. Même le premier jeu, ils l'ont traduit en anglais maintenant, donc ça va, on peut y jouer. Mais le troisième, bah c'est plus compliqué. Bah je pense que, à moins qu'il y ait un remake, je pense pas que ça se fera la traduction. Mais comme ils ont fait pour Super Mario RPG, avant il était qu'en anglais. Et bon, déjà il était en anglais, en Amérique c'est bien. Nous on l'a jamais eu, bah il y a eu un remake, on l'a eu en français et tout, donc... Le 3 est le moins connu, ouais. Bah en vrai, non, parce qu'en fait, je trouve que le 3 est connu par rapport au fait qu'il n'est pas traduit, en fait. Là où le 1, il y a peu de gens qui y jouent parce qu'ils disent « Bon, bah c'est celui qui est sorti avant Earthbound, bah c'est moins bien », alors que pas du tout, il est bien, il est juste, sur une autre console. Peut-être ça donne pas autant d'attrait que le deuxième, je sais pas, mais... Connaissant Nintendo, il y a moins qu'ils fassent un petit truc comme avec F-Zero et F-Zero 99. Ah, un petit Earthbound 99. Ah non, mais bah ouais, bah c'est une belle licence, et c'est dommage qu'il y ait très peu de gens qui l'aiment, en fait, qui sont vraiment hyper fans, quoi. C'est dommage, mais bon, écoutez, on va bien voir. Du coup, Mother 3, Earthbound, qu'est-ce que ça donne? Bah en vrai, je vous propose d'aller voir maintenant, vous savez quoi? Comme ça, tant qu'à faire, on commence. Vu que toi, t'es là pour ça, je fais du Mother 3, voilà. Du Mother 3, je le lance direct. Voilà, et je me suis pas spoilé. Enfin, des trucs que je sais dans le jeu, évidemment, parce que j'ai pas pu esquiver des spoils, mais il y a quand même certaines choses que je connais pas. Genre les grandes lignes, ça je les connais pas, par contre. Attendez juste que je mette cet écran là, et on va direct bien kiffer, parce que je suis sûr que les musiques vont être folles. Attendez, voilà, attendez... Tu dis quoi comme émulateur Visual Game Events? J'utilise MGBA, ça s'appelle MGBA. Voilà, c'est ROM Station de base, c'est MGBA, donc... Et du coup, si je fais comme ça... Voilà. Là, on est bon. Toi, le héros, arrête d'être immobile. Voilà. On est good. Voilà. Voilà, traduction française par des fans, merci à eux. Mother3vfree.fr. Merci à eux, bah, c'est eux qui ont fait la traduction française. Il y a une traduction anglaise aussi, mais voilà, c'est grâce à eux qu'on y joue en français, quoi. Donc merci à eux, merci beaucoup. Hop là, des traductions de fans par des fans. C'est souvent comme ça. J'oublie tout le temps que tu utilises ROM Station. Ouais, bah pour moi c'est plus simple, ouais. Sauf pour certains émulateurs, je télécharge avec la ROM. Brownie Brown. Al Laboratory, bien sûr. Al Laboratory, très connu comme studio de Nintendo. Et... Mother 3. Mais le héros arrête de ne pas bouger. Il est toujours immobile celui-là. Qu'est-ce que t'as? Ah, avec l'écran titre. C'est assez spécifique hein, comme logo. Dans le 1 et le 2, il n'y avait pas ce côté genre le métal mélangé à la nature. C'est sûrement lié au lore du jeu, j'imagine, mais. Je t'ai pas enlevé autant pour moi. L'anti-aliasing.
Comment on enlève ça? Comment qu'on enlève l'anti-aliasing? Moi j'ai juste mis de base, j'ai rien changé. J'ai juste mis les paramètres pour mettre jouer avec la console, mais pour jouer avec la manette, mais sinon voilà. Dans vidéo. Alors audio vidéo. Bloquer les proportions, d'accord. Capture d'écran. Couche vidéo, couche audio. Non. Ajouter à disposition, prendre une capture d'écran. Taille de l'image, non. Peut-être dans émulation, attends, émulation. Émulation. Non, je vois pas. Je vois pas. Avance rapide. Avance rapide, ok, non, pas bizarre. On va déplacer la robe, non. Bon, c'est pas grave, on fera sans. Hop là. Enfin, on fera avec, je veux dire. Allez, nouvelle partie. Let's go. Par contre, le héros, je sais pas pourquoi, il ne veut pas parler. Il veut pas parler, il veut pas. Il est toujours comme ça. Oula, c'est quoi ça? Sauvegarde en cours, n'éteignez pas la console. Ah, parce que j'ai choisi lecteur audio, je crois. Voilà. Non, on est bon. Ah, la musique. Oh, la musique, elle va être trop bien. Attendez, je monte le son un petit peu. Je monte le son. Oula, j'ai trop monté. Là, j'ai beaucoup trop monté. Du coup, ça m'a tout déréglé. Bah, super. Attendez, je règle ça. Je règle ça. Et ça fait penser qu'on dirait une musique de Pokémon Karaté Violet. Pour l'inspiration de Toby Fox. Voilà cette musique. Laisse les noms de base, c'est mieux comme ça. Oui, je vais laisser les noms de base, hein, oui, ça c'est sûr. En mettant peu importe. Moi je veux les noms lore, je veux les noms du lore. Voilà, Lucas, Klaus, Flint, bien sûr Flint. Et ce que j'aime bien, c'est que petit à petit, quand on met les noms, voilà, on met Flint. Et du coup, ils ramènent leur mère, Inawa. Voilà. Et le petit chien Bonnie, je crois. Bonnie, c'est ça. Flint ce BG. Là, bah, le truc, c'est que je les connais pas, donc ça va être cool. Ça va être cool de découvrir ça. Votre plat préféré? Omelette, vas-y. Omelette du fromage. Qu'est-ce que vous aimez le plus que tout au monde? Amour. Ligue 1. Aviation. High-tech. Mont Fuji. Cinéma. L'amour, c'est de base. Ah, j'ai envie de laisser l'amour de base. Bon, je mets Dragon Quest. Non, ça va pas rentrer Dragon Quest, donc Dragon... Non. Vas-y, on va laisser je mets des culs. Bah, des culs, voilà, Dragon Quest, comme ça. Est-ce que vous avez le plus Dragon Quest? Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien, là, on est bien. Bah, ok. Okeska. Oui. Ah, cette musique, elle est déjà trop bien. Vitesse du texte, on va mettre rapide. Voilà, couleur des menus. Raisin, melon, nature, on va mettre nature, terminé. Yep. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Alors le héros, il arrête pas de se bloquer tout seul, je sais pas ce qu'il a, mais... Bienvenue dans le monde de Mother 3. Oh la musique. J'ai mis cacahuète en couleur, ah ouais. Après je pense qu'on peut modifier plus tard. Attends, j'ai juste caché ma tête, hein. Pour le début. Alors on connaît bien les sonorités de la GBA. Île de nulle part, ouais, Nowhere Island. Nowhere Island. Ah, let's go, le petit... C'est beau, hein, franchement, c'est la GBA et ça rend trop bien. La GBA, c'est vraiment trop beau. Tasmini Village, c'est ça, le village de Tasmini. Je crois que j'ai jamais testé en fait, d'accord, ok. Ok, mais je sais pas trop, donc on verra bien. Déjà très cool la musique dès le début. La GBA, c'est vraiment magnifique. Pardon, la forêt ensoleillée. Avec des cactus, il y a déjà des cactus, c'est quoi, il y a un désert après? Chez Alec, père de Inawa, donc père de ma mère. Ok. Ok. Toc toc toc. Ah, bah ça c'est moi, c'est Lucas. Oh, let's go.
Klaus. Ah bah c'est mon frère. Lucas, tu veux dormir encore longtemps? Allez, viens jouer! Lève-toi! Les dragons ont amené leur bébé! Ils sont trop mignons! Ah, dépêche-toi! Ok. Ça marche. Piqué Fire, coucou Aura, coucou. J'espère que ça va bien. Un véritable poêle à bois. Toujours la même tête au dessous du lit. Bien sûr. Poêle à bois plutôt, pas poêle. Pas poêle. Pas de problème ici. Pas de problème ici. Pas de problème ici. Bon. Voilà, hein. On se réveille du lit. En pyjama, bien sûr. Coucou maman. Bonjour monsieur le dormeur. Klaus est dehors depuis un moment. Il joue avec les dragos. Ok. Je vais le rejoindre alors. Pyjama, sérieux? Tu comptes aller jouer en pyjama? Fille, les tâches te changer. Oui. Ok, mais ça marche. Bah, ça va super, et toi, Aura? Ça va bien, merci. Ah, sa tenue, bien sûr. Iconique. Iconique, sa tenue, bien sûr. Hop là. Bah, c'est bon, j'y vais. Nice. Oh. Oh, la musique. Oh, la musique. Celle-là, je l'aime trop, cette musique. Salut. J'aime trop cette musique. Ah, tu es levé, le dormeur. C'est aujourd'hui que vous rentrez chez vous. Vous allez me manquer. Nice. Je kiffe trop le stop motion, c'est bon, mais ouais, mais c'est trop bien ce que t'as fait, genre, comment t'as fait? Je saurais même pas comment t'as fait, hein, c'est fou. Je saurais même pas comment te le dire. Comment l'expliquer? Vache, me. Toutes les vaches, peu importe ce qu'elles pensent, font me. T'as juste un souvenir. Ce que tu dis de cochon m'inquiète. T'inquiète pas. T'es toujours l'humour de Earthbound que Toby Fox a repris à sa sauce un petit peu pour Undertale. J'ai fait des photos quoi, bah ouais mais c'est trop bien. Même les animaux parlent, j'adore ce point du jeu, mais oui mais c'est trop cool, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut courir? Pas pour l'instant. Pour l'instant j'ai l'impression que non, on peut pas courir. Il y a des fourmis à vos pieds. Vous pouvez accidentellement les piétiner, alors merci de pas continuer par ici. Ok. D'accord. On va lier où Klaus. Pim pim. La grenouille. L'histoire est une succession de souvenirs. Ceux-ci sont gardés en mémoire avec d'autres souvenirs, pour devenir des souvenirs à leur tour. Si tu ne prends pas la peine de préserver tes souvenirs, tu les oublieras. Alors raconte aux grenouilles tes souvenirs de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Ok, c'est pour sauvegarder. Ok, sauvegarder. Oui. Sauvegarde en cours. Voilà. Donc pour sauvegarder, faut voir les grenouilles. Fais attention à toi, passe le bonjour à la prochaine grenouille que tu croiseras. Ok. Donc déjà, c'est pas comme le 2 et le 1. Sans trop spoiler ces jeux. Oh, ils sont cool les dragos. Mais arrête de faire ça les pauvres. Mais pourquoi? Ah, ils s'amusent, ok, ils s'amusent, d'accord. Ça va, j'ai eu peur. Et t'es allé à la plage aujourd'hui, trop bien. Ça va, c'était cool, il faisait pas trop froid. Enfin, ni trop chaud d'ailleurs. Et l'eau salée, était à bonne température ou ça va? Mais oui, il joue, t'inquiète, mais oui. Viens, j'en peux plus. J'ai passé toute la matinée à jouer à la bagarre avec les dragos. Tu devrais jouer aussi, Lucas. Oui. Tiens, essaie de foncer tout droit sur un drago. Klaus, Lucas ne sait pas encore comment foncer sur les choses. Ah. Lucas, essaie d'imaginer une chose qui pourrait s'appeler un bouton B. Ensuite, maintiens foncé ce bouton B pendant une seconde, puis relâche-le. Ça activera ta capacité de course. Cette capacité est en train de foncer sur ce drago là-bas. Klaus, montre-lui un exemple. Trop froid, et on a même pas essayé la baignade. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc s'il faisait froid de base, l'eau elle devait être gelée. Tu m'étonnes, ouais. Aïe. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. C'est ton tour maintenant, Lucas. Essaye. J'ai ramassé plein de coquillages. Oh, trop bien. J'adorais faire ça quand j'étais petit. Les ramener, les mettre dans une vitrine qu'on avait. Je crois qu'on a dû tout jeter quand j'avais dû déménager, mais. Tu n'y arriveras jamais en faisant cette tête. C'est comme pour tout, Lucas. La clé, c'est de se détendre. Ok. Attends. B. D'accord, ok. Let's go. Oh, avec la musique. C'est trop bien. T'en refais. Voilà. Trop bien. Et toi, tu veux que je te fonce dessus? Tiens, toi. Ok, ça marche.
Plus tu y vas fort, plus ça plaît au drago. Top Grillon. Dégagez hors de mon chemin. Faites place au magnifique Top Grillon. Ah. Ah. Je ne peux pas rester les pattes croisées quand j'entends quelqu'un jouer à la bagarre. Je vais tout vous faire mordre la poussière. Allez, venez, vous allez voir. Ah, le tuto. Tuto du combat. Vous affrontez le Top Grillon. Ok. Oh, la musique de combat, c'est quoi, du coup? Enfin, une des musiques de combat, en tout cas. Ok. Jack Klaus, c'est un tout petit peu plus de PV que moi. Klaus attaque. Il attaque par morsure. Raté. Juste maintenir B, d'accord. Okay. C'est logique. Attends, on attaque, let's go. Il attaque par morsure. 4 dégâts sur Lucas. Ouh, le crit, le smash. Le petit crit qui fait mal. C'est bien, ça fait des musiques, ça fait des bruits de guitare électrique. Victoire. Lucas et son équipe gagnent 2 points d'expérience. Nice. Ça, c'est cool. Oh, mais ça me fait trop plaisir de jouer à ce jeu. C'est trop bien. Je vois, tu es plus costaud que je le pensais. Un jour, je pourrais t'entraîner si tu le souhaites. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera au grand stade du terrier des Top Grillons. J'ai hâte de te retrouver là-bas. Maître. Moi, j'aime trop cet univers, il est tellement incroyable. Il est loufoque, mais en même temps, il peut donner tellement d'émotions hyper tragiques et tout. J'en dirai pas plus, mais... J'ai marché sur un Top Grillon, j'espère qu'il n'a rien de grave. Ah bah, il va pas revenir aussitôt alors. Le repas est prêt, tout le monde. Je vous ai fait votre plat préféré, les garçons. Aujourd'hui, c'est omelette. Heureusement qu'on n'a pas mis n'importe quoi pour le plat. Aujourd'hui, c'est tagine, ou un truc comme ça, t'sais, le fameux tagine de Lucas. On sait pas, hein, si c'est notre choix, peut-être qu'on peut aimer le tagine. J'aurais dû mettre kebab pour te faire plaisir, kebab, en vrai. Dans ma run, aurait peut-être eu Lucas qui aime bien les kebabs, on sait pas. Oh, à table, omelette. Bien sûr. Oh, j'aime trop les deux, là, ils sont tellement mignons. Toi aussi, papa. Comme il marche. Il est magnifique, le jeu, pour l'instant. Bon alors... Oui. Il ressemble à un perso que... Je vais pas spoiler, hein, Kebab, je sais que toi t'as pas fait le 2, mais il fait penser à un perso qu'on voit dans le 2. Les amis, écoutez bien. Voici comment sauvegarder. Parlez aux grenouilles. C'est comme ça qu'on sauvegarde. C'est pas trop compliqué ou fastidieux. Alors parlez-leur aussi souvent que possible. En plus, c'est totalement gratuit. Bon, maintenant il est temps pour moi de m'en retourner à notre histoire. Hé, hey, attendez! Vous avez gardé un peu d'omelette, j'espère! Oh, un petit peu quand même. Il a conscience qu'on est dans un jeu? Bah oui, il a conscience. Il sait qu'on est dans un jeu. Il y a pas mal de moments un peu méta dans cette licence, c'est cool aussi. C'est quoi ton plat préféré, maman? Ah, omelette! Alors c'est la même que nous. On est vraiment pareil. On voit déjà qu'il y a une différence entre Lucas et Klaus. Peut-être que je vais déjà trop loin. Mais on voit que Klaus, c'est quelqu'un de plus dynamique et plus... Bah, en vrai, c'est peut-être parce qu'on joue Lucas et du coup, c'est fait exprès que le personnage, comment dire... Il est expressif, mais il est moins... Bah, comme on le voit pas parler, on a moins cette impression-là. Mais on voit déjà que Klaus est plus dynamique, plus à l'aise, en fait, j'ai l'impression. Peut-être que Lucas est un peu plus timide, je sais pas. Mais je te dis rien à propos de ça. Mais franchement, c'est cool hein, que tu sois mis à ce jeu. Vraiment, ça, Dragon Quest 9, franchement, Kebab, je gère. Après manger, il faut qu'on se prépare pour rentrer à la maison. On va devoir passer par la forêt, donc on ferait mieux de partir tôt. Ne dis pas de bêtises. Y'a aucun risque. Je suis même sûr que les enfants pourraient s'en sortir tout seuls. Bah, des enfants dans une forêt... Je suis sûr que même toi, Lucas, tu pourrais y arriver. Ah ben voilà. Mais ça suit ce que je dis. Genre, même toi, Lucas, dans ce côté un petit peu... Même toi, Lucas, qui est peut-être un peu moins débrouillard, tu t'en sortirais, quoi. Ok. Donc c'est peut-être ça, déjà. Après, je vais peut-être déjà trop loin, mais... Je verrai. Hein? Est-ce qu'on joue... Ah non. Cher Flint, comme tu l'avais prédit, les enfants ont passé leur temps à courir dans les montagnes sans relâche depuis l'instant où nous sommes arrivés. Oh, la musique. Klaus est téméraire et déborde d'énergie comme à son habitude, alors que Lucas est toujours un peu douillé. Mais aucun des deux ne semble vouloir s'arrêter de s'amuser. Je suis seulement en train de suivre les enseignements de mon maître Raskaz. Oh. Merci à toi. Mon père semble triste de devoir dire au revoir à ses petits-enfants après les avoir revus pour la première fois depuis si longtemps. Et nous devrions être rentrés ce soir. J'avais oublié à quel point l'air de la montagne était bon et rafraîchissant. Tu baignes toujours dans la même odeur de mouton à Tazmili. Alors j'aurais vraiment aimé que tu puisses être là pour changer d'air. La prochaine fois,
Demandons à un de nos voisins de garder les moutons pour que nous puissions venir ici ensemble, en famille. Klaus, Lucas et moi pensons tous les jours à toi. Quand nous rentrerons ce soir, je te préparerai un peu d'omelette comme tu aimes tant. Il y a toujours ça entre deux chapitres, là tu viens de finir le chapitre du tout, le chapitre 0, d'accord, ok. Ouais, parce que je sais que je me suis vraiment pas du tout spoilé. Bien tendrement ta chérie Nawa. Je sais quoi, le premier jeu, le deuxième jeu, j'ai vraiment adoré. Comme dit, le premier jeu, il manque juste une toute petite partie. Il manque juste une toute petite partie du premier jeu. Je pense que je suis vraiment à la fin. Et dès que ce sera frais, je ferai vraiment le 3. Parce que là, comme dit, je fais une découverte, mais je sais pas si je le ferai en live, en vrai. C'est juste histoire de le découvrir avec vous, et je sais que toi, Kebab... Oh, je connais cette musique. Peut-être un live ou deux, et après le reste je le découvrirai de mon côté, ou peut-être un seul live, je sais pas, mais... C'est vraiment le jeu que je veux me faire pour moi, en fait. Mais là, au moins, c'est l'occasion de découvrir un peu, puis... Ah, l'écran titre. Encore une fois, le métal mélangé au bois, ça c'est très intriguant. Comme dit, voilà, malheureusement, il y a des trucs que je me suis spoilé, parce que, voilà, des gens, ils en parlent tout le temps, les miniatures de YouTube, etc. Mais il y a quand même certaines choses que je me suis pas spoilé, et ce côté, justement, métal mélangé au bois, ça a l'air d'être dans les thématiques du jeu, et ça, je me suis pas trop spoilé. Il a l'air trop bien, bah ouais, franchement, c'est une licence que je te recommande, aura. En plus, il y a des traductions en français, si jamais tu galères avec l'anglais. J'aurais pu mettre en anglais ce que je devais faire à la base, mais je me dis, bon... Pour vous, c'est peut-être plus sympa le français, comme ça au moins... Si je joue pas un dialogue, au moins, ce sera plus simple de retenir. Qui est ça? Oh, la musique! La musique, j'aime trop. Je comprendrai bien vite, bien sûr. Ça marche. Les animaux fuient quelque chose. Je pense que je vais chercher, mais pas de soucis. Ouais, franchement, c'est... Si tu veux, je peux même te chercher pour toi, y a pas de soucis. Hein. Je peux te trouver ça. Ah ah. Toujours. C'est toujours marré quand c'est des amis un petit peu maladroits et tout. Et donc, ouais, ils placent des bombes dans la forêt carrément. Est-ce que c'est la forêt où il y a justement. Dont ils avaient parlé avec Klaus et Lucas et Aidawa? Il y a une ville. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Stardew Valley quand je vois ça. Au feu, mais oui, ils brûlent la forêt, tranquille. Entre ça, Undertale et Deltarune. Bah justement, en fait, pour Undertale et Deltarune, Toby Fox s'est pas mal inspiré de Earthbound, de Mother. Il était très fan et à la base, il avait fait une remac de ses jeux et c'est après qu'il s'est dit, tiens, j'ai envie de m'inspirer de ça et faire ma propre licence, tu vois. Il y a une seule forêt à Tasmedi, ok, d'accord. Flit, 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 il y a le feu. Au feu. Le forêt ensoleillée est en feu dans un énorme incendie avec du feu. Et des flammes. En gros, il y a des flammes, ok. En gros, il y a un incendie, ça marche. Merci de le préciser, monsieur. Ah, il a l'air cool, Flint. Eh, mais... C'est la première fois qu'on joue un adulte. Non, attends. Non, c'était pas un adulte, dans Mother. Je sais plus. Mais là, c'est sûr de sûr que c'est un adulte. Ouais. Il faut que tu fasses quelque chose vite, Flint. C'est la forêt. La forêt est en feu. Ok, mais laisse-moi sortir. Oh bon sang, qui ferait mettre sa porte à clé dans un village tranquille comme le nôtre? Flint! Mais... Après, il y a Bouy, on voit Bonnie, pardon. Bouy, n'importe quoi, Bonnie. Mais pourquoi est-ce que tu choisis ce moment pour rester dans les mains? Mais ça suffit, je veux... Voilà, je suis là. Ah, il y avait une pierre qui est passée. Flint, un adulte, c'est le père de Lucas, les gars. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pensais au précédent Earthbound, précédent Mother, et je me demandais si un des personnages de Mother 1 qu'on jouait, c'était un adulte, mais non. Je crois pas. C'est juste que c'est un personnage très musclé. Et j'étais en mode, ah, est-ce que c'est un adulte? Je sais plus. Faudra que je revoie. Ah, poignée, je veux dire, Flint. C'est pas le moment de traîner. Il y a un énorme incendie de la forêt ensoleillée. Ah, ça, c'est la poignée qui s'est barrée. D'accord. C'est dans ce genre de moment difficile qu'on a besoin de bons gars téméraires comme toi. Allez, viens, Flint, je t'en prie. Ah oui, j'allais faire la blague genre non. Thomas rejoint l'équipe. Ah, nice. Salut, Thomas. Et hop là, viens toi aussi le chien. Je reste derrière toi. Mais quel est le problème? J'aime bien rester derrière, c'est tout. Ok, bah ça marche, merci Mario. Vas-y Bonnie. Il y a quelque chose dans sa niche. C'est pas la poignée? Un bâton. Moi ça fait une arme, c'est cool. Hey Flint! Ce bâton pourrait faire une bonne arme au cas où il y arrive à quelque chose.
Mais assure-toi de l'équiper d'abord. Si tu le gardes seulement dans tes affaires, il sera aussi utile qu'un carmalmou. Oui, t'inquiète. Attends, du coup, attends. Les touches. Ah, c'est un peu différent des anciens. Mais je m'habituerai. Bâton. Oh, attendez, la musique. Ouais, parce que c'est important, la musique. Oh oui. Elle est bien, cette musique. Donc ouais, lui, il a rien. Il peut pas s'équiper, donc il sert à rien, finalement. Ok. Bon, bah, let's go. Tu veux pas venir, sérieusement? Y'a du bruit dehors, on est censé rester tranquille la nuit. Moi, je suis un bon chien, donc je reste tranquille. Bah, t'as bien raison. Fais attention à toi, quand même. Fais attention à toi. Non, du coup, de la course. Ah, voilà, ça, c'est ça. Ah, attendez. Sauvegarde. Parlons aux grenouilles d'abord. On parle aux grenouilles d'abord, c'est très important. Voilà, c'est ça, village de Tazemi. Maison des jumeaux, d'accord. Mais attention à toi. Ça marche. Ok. Ah, bonjour, monsieur. Ah, Flint! Le ciel au nord est complètement noir de fumée. Oui, ils ont tous des voix en mode bonjour. Ils ont tous mal à la gorge, en fait, dans ce village. Yado. Ah, Flint, la forêt ensoleillée est en feu. Tu as besoin d'un coup de main? Oui. Attends, en fait, je suis assez occupé, tu vois. Non, je veux dire, tu sais ce que c'est. Oh, mais ça y est, c'est toujours comme ça, quand c'est de la merde. Y'a personne qui veut nous aider, là. Ah, mais on va pas demander à des enfants, par contre. Ici, y'a pas quelqu'un qui peut nous aider? C'est pas le moment de faire ça. Oh. Mais Thomas pourra t'aider pendant les combats, d'accord, ok. Ah, je m'en doute. Madame? Monsieur Flint? Vous devriez probablement prendre tout ce que dit Thomas avec des pincettes. Vous savez comme il veut. Non. Ça, c'est des commères, ça. Oh, Thomas, qu'est-ce que tu cherches à faire? À courir partout en faisant la sirène? Franchement, tu ferais pas causer trop de problèmes à Flint. Oh. Attends. Pas de problème ici, mais si, je veux lui parler. Si Cartier, le posteur et amateur de cartes, peut vous apporter quelque chose, vous êtes certain mettre une carte, non? C'était prêt à prendre une avec vous. Ah, merci. Une carte de Tazmili. Cartier. Mais du coup, c'est marrant comme ils ont traduit les noms en français. Parce qu'évidemment, comme il n'est jamais sorti en dehors du Japon, ils ont dû traduire les noms en anglais. Et du coup, ils ont dû retraduire en français pour voir comment... Voilà. Ça, c'est cool. Je ferai peut-être le jeu dans les deux versions, en anglais et en français. Peut-être en premier en français. Enfin, en anglais, pardon, pour... comme j'ai l'habitude des Earthbound en anglais. Et après, je verrai. Monsieur, bonjour. Il y a savoir qui... l'incendie. Ça fait spontanément tousser. Je suis extrêmement sensible, tu sais. Au fait, si tu préfères te déplacer plus vite, je suis bien d'utiliser ta capacité de course. Ah bah super. Bah vas-y, on va courir alors. Ah non, j'ai peut-être loupé quelque chose, attendez. Bah, je suis désolé, moi j'explore, hein. J'explore tout un peu. L'incendie n'est pas par là. Oui, d'accord, c'est pas le moment de flâner. Ok, bon bah je ne flâne pas, je cours. Ah, et ça c'est marrant. Je sais pas si vous le savez, mais dans certains jeux, quand on court en diagonale, on est plus rapide que si on court tout droit. Il y a pas mal de jeux qui sont comme ça. Par contre, la grenouille, toujours sauvegarder. Ouais, j'ai vu, c'était sur R la carte. Oui, t'inquiète pas. Comme j'explore d'abord et après je check. Parce que bonjour, la prochaine grenouille. Merci de me le rappeler. Bonjour. Flint, la forêt ensoleillée située à l'ouest de la croisée, juste après le sanctuaire de la prière. Et apparemment envahie par les flammes. Ok. Donc ouais, c'est ça. Donc ça indique là où il faut aller, etc. Eh, n'empêche, elle est cool la map. Ok. Donc, à l'ouest. Oh. Il est géant celui-là. Bonjour, monsieur. Ouais, chef. Tu vois l'incendie de là-haut? Ouais, j'ai dit. Ah, oh, toujours aussi bavard à ce que je vois. Et je l'aime beaucoup, lui. C'est très vivant, les animations sont très vivantes, très dynamiques, j'aime trop. Hop là. Bonjour madame. Même si je partais en avant, je sais très bien que je ne serais d'aucun secours. Qu'est-ce que je dois faire? Bah rien. Rien, tu ne peux rien faire. Ah, j'ai envie de parler à tout le monde. Les flammes ont commencé à se rapprocher, alors on a déguerpi jusqu'à ici à toute vitesse. Et le vieux briquet et le petit fioul sont toujours bloqués dans la forêt. Briquet et fioul, c'est eux qui ont causé l'incendie ou pas là? Le temple de la prière. Flint, attends un instant. Oh, mais les musiques, elles sont tellement bien. Elles sont tellement cool, les musiques. Donc ouais, Joël, du coup, que nous dis-tu, Joël? Tout adulte responsable qui va dans la forêt doit d'abord faire une pause au sanctuaire pour s'adresser au dieu Sylvain. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. J'ai toutes sortes de voir les choses de cette façon. Bah non, c'est tradition, t'as pas tort, vas-y. Prie pour que la forêt, les gens, les animaux, et moi-même puissions vivre dans la joie. Vas-y, c'est la tradition, on va le faire, y'a pas de soucis. Bien.
Oh, j'aime bien la musique. Je veux dire ça à chaque fois que j'entends une musique. Oh, j'aime bien la musique. Je vais répondre avec un esprit apaisé. N'est pas votre nom. Oui, le nom des personnes qui jouent à ce jeu. Ah. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je suis content de voir ça. Là. Oui. Attends, le U. M. E. Voilà. Let's go. Guillaume ou Raskaba? Guillaume, du coup, bien sûr, mon vrai nom. On joue legit. Entendu. Guillaume. Votre nom est Guillaume, et c'est exact. Oui. Très bien. Continuez à profiter du jeu. À la fin de ce décompte, vous allez oublier ce que cette question vous a été posée. Ok, d'accord. 3, 2, 1. Avez-vous oublié? Bah, demandez quoi, là? Il m'a posé une question tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Je sais pas, il m'a posé une question, j'ai déjà oublié. Oh, c'était pas important. Je sauvegarde la partie, vas-y. Ok. Ouais, bizarre, vous aussi vous avez oublié, j'ai l'impression. Bizarre, chelou. Bon. Oh, c'est pas grave. On nous le rappellera peut-être plus tard, je sais pas, mais... On verra bien. On verra bien. Ouais, j'ai prié. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, on a prié, c'est ça qu'il fallait faire. On a prié, du coup, tout va bien. Ok. C'est oublié, ça devait pas être important. Oui, ça devait pas être important, en vrai, ouais. Le jeu nous le rappellera peut-être plus tard, on verra. Du coup, attendez, la carte. Attends, je me suis même pas... Attends. Voilà, R. Du coup, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on entend la cloche de là, en fait, aussi. Pardonnez-moi. Ah, Flint, Dieu merci, tu es là. Bricky et Fuel sont toujours bloqués dans la forêt. Je retiens ces deux-là, t'en fais pas. Va vite les retrouver. Bah, je veux y aller. Je veux passer par là. Bon, ok, y a pas... Attends, je vais lui parler à lui. Aurel, c'est une grosse urgence. C'est bien que tous les PNJ soient nommés, aussi. Peut-être sera son importance plus tard. Je suis pas qu'un observateur agaçant. Bah là, pour l'instant, tu es observateur, mais t'es pas agaçant. On va voir plus tard. Le petit oiseau, tu veux nous dire quoi? Conseil de Boineau, tu as une mythe devant toi? Tu as brute force ou empoisonné un petit baignet dans une source chaude. Ah, les sources chaudes, ouais. Et une belle source chaude un peu plus loin dans la forêt ensoleillée. Pour finir en Moineau, tip tip. Ça marche. Le passé, faut juste forcer. Ah, ok, d'accord. Attends. Je merci. Oui, je retiens celui-là, t'en fais pas, vite de retrouver. Bah oui. Attends. Voilà. Ah non, merde, je pensais qu'on pouvait passer par là. J'étais en mode, vas-y, j'ai trouvé le chemin, mais... Pas de problème ici. Oui, je vais passer à droite, t'inquiète pas. Vas-y, oup là. Attends. À droite du PNJ? Attends. Bah, si, c'est bien ce que j'ai essayé de faire, non? C'est un peu bloqué, là. Pas de problème ici. Ah voilà, ok, d'accord, je... Ah, ça c'est les moments en live, ça c'est ce que je rappelle, ça c'est les moments en live. Mon cerveau il fonctionne pas bien. Vous en faites pas, ça arrive tout le temps. D'à peu près chaque live. Ah, les premiers ennemis. Batman, oh. On aurait dit la musique de Batman. Monsieur Batman, mais c'est Batou bien sûr. Mais dis donc Batou. Hop là, Thomas s'essuie le front, bah super. On dirait vraiment la musique de Batman. Ah, ok, nice. Batou se sent un peu bizarre. Batou a été maîtrisé. Oh là là, les petits jingles aussi, c'est cool. Hop là. Ah, mais j'ai envie d'écouter la musique. Je suis désolé. Je suis insupportable à vouloir écouter la musique. Et du coup, ok, d'accord, c'est comme dans les anciens. S'il arrive par derrière, il a l'avantage. Ok, ça n'a pas bougé. Et c'est comme les anciens, une mécanique qui est sympa, c'est que si jamais on a un coup fatal, si jamais on se soigne avant que le compteur arrive à zéro, bah du coup on peut survivre. Ça j'avais trouvé ça cool. Ce sent un peu bizarre. Oh là là. Les musiques elles sont cool, vraiment. Bien sûr de son front, Monsieur Batou. Voilà. J'ai pas regardé si j'ai des objets de soin en vrai. Je crois pas. On va voir après. Je meurs pas un stand, c'est trop bien. Oui, ça c'est cool. Ça c'est trop bien. Hop là. Le paquet, bracelet bédier. Je m'équipe tout de suite, maintenant. Bracelet. C'est en autre plutôt, non? Voilà, c'est ça. Défense plus 3. C'est le signe du bélier. Ah bah lui, non. Ouais, Isaac. Ah, je sais pas. Isaac de Golden Sun? Je l'ai pas vu, non.
Faut changer de jeu. Va la source... Oui, il y a la source soja de côté, ouais, ce que j'allais faire. T'inquiète, t'inquiète pas, Kebab. Je sais que tu veux que j'aille à des endroits précis, mais t'inquiète, t'inquiète pas, je vais y aller. Moi, t'inquiète pas, je suis toujours dans le cas où je visite tout dans les jeux, donc... Ah... Voilà, source chaude, en regardant ces vêtements-là, grâce à ce bain relaxant de la source chaude, l'équipe de Flint se sent revivre. T'inquiète pas, Kebab. Hop là. Conseil de moineau, certaines personnes essaient toujours d'éviter le combat lorsqu'il y a des ennemis. Tu vois le genre? Capsic de course pour tout esquiver. On peut dire qu'elle court à leur perte. J'adore rire. Ah non, mais t'inquiète pas, Kebab, t'inquiète pas, y'a pas de soucis, non. Oh, y'a pas de soucis, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas, c'est juste, voilà. Juste t'inquiète pas. Quand, dans ce genre de jeu, j'explore un peu tout, normalement, donc y'a pas de soucis. Quand tu vois qu'il y a un truc à gauche, à droite de toi, t'inquiète pas que je vais finir par y arriver. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Puis en plus, j'avais vu le petit logo, ça sentait que c'était sur ce chaude. Hop là. Allez, c'est parti. On court, on court. Ah, attendez, c'est quoi? Pas de problème ici. Ah, je pensais qu'on pouvait fouiller. Allez, Batou! Let's go, Batou! Batman. Je pense que c'est ça l'inspiration, en vrai. Mine de rien. Parce qu'il y a beaucoup d'inspiration musicale dans les Mother. C'est très cool. Genre... beaucoup de références à d'anciennes musiques aussi. Hop là, ok. Oui, let's go. Allez. Oui. Allez, et cours Flint. On va courir. Le feu il est là, ouais. Ah, ouais, j'ai marché dedans, pardon. Ah, du coup, c'est eux, là, ils ont mis des bombes partout, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi, c'est des cochons qu'ils ont, ou... Ah, des mouches. D'accord, des mouches. Ah, ok, ils peuvent marcher dans le feu, y'a pas de soucis. D'accord. Qu'est-ce que c'était que ça? Ils ont libéré des mouches? Des mouches robotiques, je sais pas. Oh! Vous êtes faufilé derrière une patate tueuse. Ah, une patate douce. Ça fait me penser à une anecdote de l'école primaire. C'est des cochons, enfin ils ont une combi de cochons, d'accord, ok. Ok. C'est une anecdote de primaire. Où en gros, en primaire... Oh, du pain au noix. Nice, c'est bon le pain au noix. Même si j'aime bien les pains avec de l'olive dedans. Très bon. Du coup, ce que je disais, c'est que oui, en primaire... En gros, pendant 2-3 ans, on avait planté une patate douce. Donc ça mettait du temps avant de pousser, etc. Et en gros, l'année d'après, genre quand j'étais... imaginez-vous, je suis en CM2. Et on m'a dit, ouais, l'année prochaine, on pourra déguster la patate, c'est trop bien. Sauf qu'après, en CM2, je suis au collège. Du coup, je suis pas dans le même établissement. Donc disons qu'on s'est... on s'est tué à arroser la plante chaque jour. Genre à chaque fois que la prof qui disait, vas-y, c'est toi qui va arroser la plante. Bah finalement, on n'a pas pu la manger. Du coup, voilà, je ne sais toujours pas à quel goût ça a, la patate douce. Peut-être un jour. Peut-être que mon moi enfant, il va se dire enfin, tu as goûté la patate douce, ça y est. On s'est fait avoir, c'est ça, mais bon. Mais on était content, on a arrosé la patate douce. On était content, donc ça nous suffisait finalement. Ça nous suffisait, et puis voilà. Puis ce qui compte, c'est le partage. C'est d'autres personnes qui ont pu y goûter. Et voilà, je suis sûr qu'au fond d'elles, ces personnes-là étaient reconnaissantes. Peut-être pas, juste elle s'en fichait, mais je sais pas. On avait un cerisier dans la cour, ah ouais. On pouvait en cueillir tous les ans, c'était cool, mais c'est trop bien ça. Oh, un cerisier, ça doit être beau en plus, c'est beau. Hey, Briquet, ça va? Il est où, Fuel? Ah, c'est littéralement ça la blague en fait, Briquet, Fuel, oui, parce qu'il a eu l'incendie. Flint, oh et Thomas, ces bestioles. J'ai beau essayer de leur régler leur compte, il en fait de plus en plus. Pas moyen de les maîtriser. Ok, ça marche. C'est ces espèces de mouches, c'est ça? C'est quoi ces bestioles? Des insectes? Je sais pas. Elles parcourent la forêt et déclenchent des incendies. Il y a plusieurs gens, Fuel est encore à la maison. Quoi, Fuel est encore dans la cagane? Flint, va aider Fuel. Je m'occupe de Briquet. Ça marche. Faire attention aux mouches par contre. Ah, ben en parlant des mouches. Ouais, il faut pas se fier aux apparences, hein. Allez Flint, bouge un peu là. Ne regarde pas se jeter sur toi. Et Flamouche, ses acolytes. Flamouche. Ça ferait un bon nom de Pokémon, ça tiens. Alors. Juste vérifie si j'ai pas des objets de soins. Bah, j'ai le pain en noix. J'ai les pains en noix, c'est cool. Ok. Flamouche.
Ah, avec les effets de sort qui sont toujours aussi bien. Ouh, 9 dégâts. 5 dégâts, ok. Pour l'instant, ça va. Prochain tour, si jamais ça chauffe. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Voilà. Donc, prochain tour, si ça chauffe. Bah, du coup, j'utiliserai un peu en noix. Voilà. Comme ça, au moins, on sera bon. Ouais, parce que là, c'est vrai que là, ils sont beaucoup plus rapides que moi. Donc, ce serait peut-être mieux d'utiliser un peu en noix maintenant, finalement. Ah, non, j'ai mis la garde. Ok. Ah, bah. Bah, tant mieux. Vas-y, paix en noix, mange. C'est très bon, vas-y. 8 dégâts. Ok, c'est bon. Ça reste sur 30 PV, c'est bien. Allez, on frappe. Et ce que j'aime bien quand on frappe, c'est que ça fait des sons de musique, en fait. Ça, c'est cool, sympa. Par exemple, là, le saxophone. Voilà. 9 dégâts. 3 dégâts. Réo. Ah, il y a Grippat, le Pokémon, c'est vrai. Putain, le bot, il m'a rappelé l'existence de ce Pokémon, tiens. Grippat. Flamouche crache du feu. Bon, je pense que là c'est bon. Voilà. Au cas où c'est des ennemis là, je mangerai du pain en noix. Après, je pourrais monter de niveau là, par exemple. Non, dommage. Pain en noix. Merci. Bien joué, Fleet. J'aime trop. Avec son chapeau. Trop bien. Ah, j'ai un chapeau comme ça, j'aurais dû le mettre. J'ai plus où il est. Ah, de l'eau. Oui. Je te recommande vivement de sauvegarder, tu es d'accord? Non. D'abord, je me soigne. Et après, je sauvegarde. On sait jamais. Voilà, paix en noix. Mange. Non mais. Mange le paix en noix. C'est bon. Non mais utilisez. Flint. Voilà. Et maintenant oui. Ah c'est qu'il y a le mode veille. On va pas faire ça. Dans le doute, on va pas appuyer sur le mode veille. Ok. Ça vient en cours. Chez Briquet. Ok. Mais attention à toi, passe le bonjour à la prochaine grenouille. Pas de soucis. Allez. Au secours! J'ai mal! C'est comme le même. Attendez. Ah non, il y a des animaux dedans! Ok. Est-ce que tu peux défoncer la porte, Fleet? Oui! Nice. Attends. Ah non, c'est un ennemi, d'accord, je pensais que c'était un animal de compagnie. Une souris volante, bon, ok. Oh, la musique, attendez. Très cool. Et restez pas pour avoir l'air menaçante. Je n'ai pas menaçante, ma chère. Attendez. Attendez, je vérifie juste un truc. D'accord, ok. Juste, il y a eu deux attaques tout à l'heure, j'ai cru que c'était moi qui avais provoqué ça. Peut-être si c'est moi qui provoque ça. Attendez. Peut-être qu'il y a un rythme à avoir ou c'est juste aléatoire. Ou le combo. Non, je sais pas encore. On verra bien. La souris volante a été maîtrisée. 55 points d'expérience. Ah, il veut pas monter de niveau, Flint. Ok. Où est-ce qu'il est allé, Fuel? Ah! Oula, attends. En tout cas, j'aime bien l'ambiance, ça devient sérieux très vite. Une peau qui s'est effondrée bloque le passage. On t'expliquera plus tard comment enchaîner les plusieurs coups. D'accord. Attendez. Ça dit quoi, une peau qui s'est effondrée bloque le passage. Ok, donc c'est pas par là. Ça, c'est quoi? Ah ok, je pensais que c'était de l'eau qui tombait d'ailleurs, j'allais dire... Ok, pas de problème ici. Ah bah attends, il va falloir passer par un autre endroit alors. Ça c'est un peu difficile. Ok, on peut pas fouiller dedans. Genre il y a l'immeuble qui est en feu. Il y a l'immeuble qui est en feu et je fouille genre... Alors bon, c'est très bien, c'est très joli ici, mais dis donc. Une hache, tu veux pas prendre la hache? Non. Non, vas-y. Peut-être faut foncer sur la poutre tout simplement, je pensais que c'était trop lourd, c'est pour ça. Ouais, je pensais que c'était trop lourd. En fait, voilà, je pensais que c'était trop... Mais il a beaucoup de force alors, Flint, ça, je pensais pas. Monsieur Flint! Prenez Fuel sur votre protection. Ouais, c'était bien ça, Keba, okay, exactement, c'était bien ça. Je pensais que la poutre était trop... dure, trop... trop résistante. Ah bah, ça va. Ouh là là, ça s'effondre. Vaut mieux se bouger. Flint est giga fort, t'en fais pas pour lui, bah ça va alors. Dès que je verrai un truc qui me bloque le passage, j'envoie Flint. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Ok. Au moins on a pu sauver Fuel, je vais juste attendre du coup. Juste avant que la maison... J'ai dit juste avant que la maison tombe dessus, mais on est brûlé donc... Waouh. Je suis tout noir et couvert de suie. Mais au moins je suis vivant. Vous aussi vous êtes couvert de suie, monsieur Flint. Merci Flint tout noir. Merci beaucoup, monsieur Flint tout noir. Ah oui,
Il faut aller voir papa pour le rassurer. Il doit sûrement se faire un sang d'encre pour moi. Ok, ça marche. Ah, mais du coup, on reste tout noir. Est-ce que tu peux nous nettoyer la grenouille? Non? Bon, bah, pas grave. On va rester tout noir. Ah, je pensais que les portraits deviendraient tout noirs aussi. J'ai cru. Fais attention à toi. Passe le bonjour à la prochaine grenouille. Je pensais que le portrait aussi serait tout noir, ça aurait été trop bien. Hop là. On court, on court, on court. Patate 12, vas-y, on se fait un peu d'XP. Vous êtes faufilé derrière une patatueuse. Ah. Là, j'en ai enchaîné deux, par exemple. Ok. Victoire. Niveau 9. Oh, avec la musique. Ça, c'est beau. Il y a du pain au noix. Il y a que du pain au noix dans cette forêt. Hein. Tout donne du pain au noix. C'est une forêt à pain au noix. J'aime bien. Bon, pas grave, je marche sur le feu, il n'y a pas de souci. Je tue les patates. Bah, je marche sur le feu et je tue des patates. C'est ce que j'avais prévu de faire cet après-midi, de toute façon. Elles me regardent fixement. Est-ce qu'elles attaquent en vrai, vu que là... ça ferait l'XP gratuit en vrai, hein. Pour le début du jeu, c'est pas mal. Bon. Aïe, oui, aïe. Oui. C'est bon. Nice. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Source shot d'abord. Au début, t'as que du pain en noix, il y a un autre truc que je ne citerai pas pour un spoil, ok. T'inquiète. Bah, petit à petit, on aura d'autres items, c'est sûr. Est-ce que la source shot me nettoie? J'ai mis la musique de la source shot. Non, même la source... Ah, oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien pensé. Tu peux pas plonger ta tête dans la source shot. C'est trop bien pensé. C'est trop bien pensé, c'est génial. C'est génial, vraiment, c'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est des petits détails comme ça que j'adore dans les jeux. Mais oui, t'as vu ça, mais oui, mais c'est tellement bien. Regardez comme le jeu est beau. Énorme. Énorme. Regardez comme le jeu est beau, regardez-moi le tronc comme il est magnifique. Une phrase que je pensais pas dire à haute voix dans ma vie un jour, mais regardez comme ce tronc est magnifique. Il est incroyable. Oh là là, mais ce jeu, mais... Papa! Ah, ça va. Il est un peu amoché, mais... Enfin, très amoché, mais... Oh, cette voix, c'est bien toi, Fioul. Ah, t'es pas blessé, au moins. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout noir et couvert de suie. Et toi, papa? Tu t'es cassé la jambe? Regardez comme ce trou est magnifique, Raska 2024, c'est ça, c'est... C'est ça, Il n'y avait qu'une image avec ma tête, en gros, citation. Ah, oh, ça, c'est rien. Juste la tourner comme ça, puis ça... Comme ça, et... Ah, bon sang de bourrin. Mais patron, mais qu'est-ce que vous faites? Je soigne les blessures, pardi. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire d'autre? Ah oui, donc vraiment un galérien, quoi. Comme à la guerre, quoi. En tout cas, de la chance que Flynn soit arrivé à ce moment-là. Ouais, lui et Flibriqué ont toujours été des amis chabailleurs depuis qu'ils sont tout petits. Ça suffit à me rendre jaloux. Oh. Oh, la musique. Ah, oh, merci, Flint. Je suppose que je t'ai montré mon côté un peu moins dur, hein. Je te rendrai ça. Je crois que c'est la première fois que j'entends le patron remercier quelqu'un. C'est bien vrai. Il manquerait plus qu'il se mette à pleuvoir pour rendre la chose encore plus étrange. Ah, justement, je l'attendais. Je l'attendais, celle-là. Nice. Trop bien. Et ça y est, du coup, on sera plus recouvert de suie. Et il pleut. Espérons au moins que la pluie éteindra l'incendie. Ah, en tout cas, on n'est plus trempé dans la suie. Faut qu'on s'occupe de Briquet. Entrons au village pour le moment. Ça marche. C'est pour ça que j'adore ce jeu, l'humour est incroyable. Mais oui, mais c'est une licence qui a un humour incroyable, vraiment. Un humour absurde, vraiment décalé, loufoque. C'est ça, et en même temps, il y a des moments très très beaux, très tragiques, et ces jeux nous font passer par toutes les émotions, c'est vraiment magnifique. J'adore. Ok. Et voilà, Flint. Tu es soigné maintenant. Merci beaucoup, madame. Ah, c'est une bonne chose qu'on n'ait eu que des blessures légères, Fioul et toi. Ça faisait un moment que tu n'avais pas plu à Tazmili. Ah ouais, à ce point. Prends le temps de bien te reposer. Toi, ça va aller. Flynn, tu as vu d'autres choses dans l'incendie à part ces insectes bizarres? Je parlais de certains types louches avec des masses de cochons. Ah, oh, ces salauds.
Ils ont rendu la forêt toute noire. Et toi, Flint? Tu es revenu tout noir, toi aussi. Je devrais te reposer maintenant, papa. Oh oui. Tu étais tout noir aussi, Fuel. Tout était tout noir. T'as vraiment besoin de repos, là. C'est vrai. Aider tous les autres, se faire aider par les autres. Aider tous les autres. Qu'est-ce que tu en dis, Flint? Et toi, Thomas? Quand est-ce qu'Inoa et les autres vont revenir? Vu l'état de la forêt, le trajet ne serait pas un peu dangereux? Ah, c'est vrai, ouais, j'espère que rien n'arrivait quand même. Bon, je pense pas, en vrai. La maison était assez éloignée, je pense. Après, ils ont bombardé tout dans la nuit, donc je sais pas. On va voir. Ah, Isaac. Oh, dis donc, Flint, une voix un peu comme ça. Flint. Puis le bon moment. On m'avait dit que tu te reposais ici. Parce que là, tu joues Flint avant que Inoa ait envoyé la lettre. D'accord, ok. Ah d'accord, ça se replace dans la chronologie, d'accord. Je pensais que ça se passait en même temps. Juste après, peut-être, je sais plus. Je pensais que c'était juste à ce moment-là. Puis au moment, on m'a dit que tu reposais ici. Sacré inverse, hein. Je pense que je vais me mettre aussi à l'abri. Flint, dis-moi, tu as vu Inoa et les enfants? Non. Loa. En fait, tout à l'heure, j'étais parti cueillir des champignons dans la montagne. Pendant que j'étais là-haut, j'ai cru apercevoir Inoa. Et ensuite, alors que je m'étais arrêté au bord de la rivière, j'ai entendu du grognement au loin. Ça faisait un peu penser à un drago. Après, j'ai cru entendre ce qui m'a semblé être des cris. Dis-moi, Flint, Inoa et les enfants doivent certainement être rentrés, n'est-ce pas? Oh non, me dis pas ça. Me dis pas ça. Un drago. Ah ouais, c'est des gros dragons tout mignons. Ah le chien. Comment ça va, Bonnie? Ah. Bonjour. Je rigole pas, mais non, t'inquiète. C'est Ned Inoa. Bah, c'est la lettre qu'a envoyé Inoa, du coup, ok. Cher Flint, comme tu l'avais prédit, les enfants ont passé leur temps à courir dans les montagnes sans relâche depuis l'instant où nous sommes arrivés. Klaus est téméraire et déborde d'énergie comme à son habitude, alors que Lucas est toujours un peu douillé. Et aucun des deux ne semble vouloir arrêter de s'amuser. Mon père semble triste de devoir dire au revoir à ses petits-enfants, après les avoir revus pour la première fois depuis si longtemps. Nous devrions être rentrés ce soir. J'avais oublié à quel point l'air de la montagne était bon et rafraîchissant. Tu baignes toujours dans la même odeur de mouton à Tazmili. Alors j'aurais vraiment aimé que tu puisses être là pour changer d'air. La prochaine fois, demandons à un de nos voisins de garder les moutons pour que nous puissions venir ici en famille. Klaus, Lucas, et moi pensons tous les jours à toi. Quand nous rentrerons ce soir, je te préparerai un peu d'omelette comme tu aimes tant. Bien tendrement de ta chère Inoa. Aïe. Ah, j'imagine le pire là déjà. Hein. Tout mignon, retiens bien sa race, Klaus, ouais. C'est des dinosaures, mais bon. Après, ils avaient l'air tout sympas, donc je sais pas. Peut-être avec l'incendie et tout, ça les a effrayés et. Je sais pas. Oh, ils sont toujours pas rentrés. Enfin, ils sont toujours pas rentrés. Donc cette pluie pour attraper froid. Je vais les chercher. Ils ont dû se réfugier quelque part à l'abri de la pluie. Il se fait tard, on devrait tous partir à leur recherche. Allons demander de l'aide aux autres villageois aussi. D'accord, je vais revenir bientôt, papa. Bon, je vais prévenir mon papa, alors. N'importe quoi. Si je commence à mal lire aussi. Vous pouvez vous reposer sur ce lit. Faites une petite sieste. Vas-y. Pour récupérer de la vie, j'imagine, mais au cas où. Oui, c'est le cas. Le jingle. Vous êtes complètement revitalisé. Une machine pour filer de la laine. Pas de problème ici. Ah, le reflet. Le reflet dans le miroir. Vous avez l'air plutôt élégant, mais c'était pas le moment de s'en soucier. C'est que t'es pas mal, Flint.
du cheminée et du poêle de chauffage. Alors on va voir ça. Ah. Pouf, pouf. Prends-moi avec toi, s'il te plaît, je suis sûr que je serai utile. Prendre Bonnie avec vous? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Pam, 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 pam. Bonnie rejoint l'équipe, nice. Allez, viens, mon cher Bonnie. J'aime trop Bonnie. Bah oui, c'est un petit chien trop mignon. Moi, j'aime trop. Alors, regardez l'animation de Bonnie. Regardez. Regardez-le. Il est adorable. Attention, zip. C'est trop bien. Petite sauvegarde. Toujours sauvegarder, hein, toujours important. On sait jamais. C'est ça au moins. Ça nous empêchera pas. Enfin, ça nous empêchera de faire un peu n'importe quoi. Ok. C'est comme le chien de Mother 2, mais en mieux. Bah en fait, le chien de Mother 2. Bah tu le vois au début. Et après, tu le vois plus. Là, Bonnie, j'imagine qu'il va être un membre de l'équipe permanent ou un truc comme ça. Ce serait logique. Pain au noix, toujours. Le pain au noix, c'est la vie du pain au noix. Mais j'aime trop le pain au noix, donc je comprends. Voilà, il y a des moutons et tout, mais il n'y a pas de viande, il n'y a que du pain au noix. C'est des moutons, quand tu les tonds, ça fait des noix. Et du coup, quand tu ramasses des patates, ça donne du pain. Pas permanent, mais tu vas voir assez souvent, ok. Ok, ok, ok. Pas de problème ici. Ah, mais viens ici, toi, Thomas. Viens là. Viens là, Thomas. Viens ici. Ah! Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Voilà. C'est pas bon, pas bon du tout. Inawa, les enfants sont toujours pas rentrés. Oh non, me dis pas ça. Me dis pas ça, le jeu. Ils sont où, Klaus et Lucas? Ils avaient dit qu'ils rentreraient ce soir. Oulala, oulala. Ça vient en cours. Ça sent pas bon. Attention à toi. On dirait que tout le monde est allé au sanctuaire de la prière. J'ai vraiment envie de t'aider, honnêtement. Je suis carrément le type qui pourrait t'aider. Ah, il est bourré, ok, d'accord. Il est bourré. Ça marche. La prière, c'est par là, alors. Ah, il est pas là, le mec géant, je l'aimais trop. Ah, salut. Il y a Papy Moujo avec eux. Ah, tu es là, Flint. J'ai demandé à tout le monde de se diviser en groupe et de parcourir la forêt, à la recherche de Inawa. J'ai la chance d'avoir des amis fantastiques. C'est ça le véritable bonheur d'une certaine manière. Oh. T'as pas trop d'amis, toi? Salut. J'aimerais participer aux recherches, mais on me dit de rester ici parce que je suis vieux. Personne n'a l'air de vraiment connaître ma force. Ah ouais, vas-y, attends, si je te fonce dessus. Non. Dommage. Ça semble être un endroit très particulier. Ok. Rien du tout. Ah, la musique elle est un petit peu. Il y a de la tension et tout, moi j'aime bien. Vas-y, on part à la recherche de notre famille là. Ah, Batou! Le retour de Batou là. Batman! Allez hop là! Avec la belle musique et tout. Un petit crit. Monsieur Batou manifeste de la sympathie et de l'affection. Le corps de Flynn se fige, ah non! Vas-y, Bonnie, massacre-le. Nice, merci Bonnie. On peut toujours compter sur toi. Hop là. Nice. Voilà. On peut rentrer là-dedans maintenant? Oui, on peut. Je suis en train d'élaborer un plan lentement mais sûrement pour retrouver Inawa. Il y a de nombreux antidotes dans la boîte. En prendre un? Oui. Merci. Prendre un? Non, un de plus, pas plus. Faut comme un essai pour les autres. Voilà. Je pense que j'aurais pu en prendre l'infini quasiment, mais... Ok. Ouh, il se prend un crit. Je peux en prendre l'infini, t'inquiète. Ouais. Je vais en prendre deux déjà pour l'instant, à part si ça chauffe trop. Salut Batou! Monsieur Batou! Voilà. Deux coups. Je donnerai du pain au noix à Bonnie. Voilà. XP. Cookie aux noix. Ah bah cookie. Petit cookie là. Attendez. Il se sert pas tant que ça, surtout quand t'es empoisonné. Ouais ouais ouais, j'imagine. J'imagine. 15 PV, pain aux noix, 30 PV. Bah tiens, mange. Mange. 15 PV, cadeau.
Hop là. Là, il n'y a plus le feu, ça c'est bien. Oh, les serpents. Classique. Madame, t'as pas quelque chose à me dire sur... Inawa a l'air de bien avoir la tête sur les épaules. Pas toi en revanche. Tu es plutôt négligent et je parie que tu as oublié de prendre les antidotes avec toi. Non. Je m'ai pris. Ok, merci madame. C'est pour les serpents, ok. Et voilà. Et hop. Vous êtes soufflé derrière un serpent mordant. Ok. Et je viens d'embarquer que ça fait... ils ont fait un sprite quand on est derrière eux, quoi. Ça, c'est cool. Ils ont fait un sprite quand on est devant eux et quand on est derrière eux. Ça, c'est cool. Nice. Attention du détail, c'est bien, ça. T'inquiète pas, Flint. Avec tout le monde qui cherche, je suis sûr qu'on va bientôt les trouver. Gardons espoir. Il y a ça pour tous les monstres. Ça, c'est cool. Plein de petits détails. Je n'avais pas réalisé parce que les flammes étaient tellement intenses à ce moment-là. Mais on dirait que cette zone ici était sacrément ravagée par l'incendie aussi. Ah, vous pouvez pas passer avant, ici. Sauf pour les boss, ouais, parce qu'on peut pas les avoir par derrière. Oula. Au feu, puis la pluie, puis les sourires d'enfants. Ça va s'arranger. Régis le sait. Ah ouais, les patates sont devenues bien plus méchantes, là. Hein. Attention. Hop là. Ça, c'est des skips comme on aime. Voilà. Klaus, t'as chaud à fond. Je parie qu'il se plante par ici à nous observer pendant qu'on est tous pour d'inquiétude. Mais Lucas est un pleur du char. Il est probablement en larmes alors qu'il est... Oh, on respecte un peu Lucas quand même. Hein. Peut-être qu'il est pleurnichard, mais il n'abandonne pas, je suis sûr. J'ai bien fait de me retourner, sinon il aurait eu l'avantage. Il a une sale tête, le serpent, par contre. Le serpent mordant effectue une attaque par morsure. J'aime bien ça, c'est marrant. Le serpent mordant, mort. Les deux petits coups. Maîtrisé. J'aime bien ça, dit pas tuer, mais maîtrisé. Klaus et Lucas ne vont sûrement pas tarder à débarquer en courant. On va prendre quelques-unes de mes cookies, pas très bons et un peu fades. Surtout si tu les laisses traîner en appui. Un charme mini-mini. C'est quoi ça, charme mini-mini? Un équipement? Peut-être équipé sur le corps, défense plus 2. Ok. Ça marche. Je vais peut-être lui mettre sur Bonnie. Ouh, il y a des traces de griffures. Ah, c'est peut-être les dragos en vrai. Hein. Les dragos qui sont devenus un peu fous et qui ont un peu tout saccagé, je sais pas. Peut-être c'est les hommes cochons qui ont causé ça. On va se manger la prochaine grenouille. Alors l'arbre cassé et tout. Ah ouais. Ah ouais, ouais. J'arrive pas à y croire. Mais regarde ça, Flint. Ces gros arbres ont été fendus en deux. Ouais. La personne qui a fait ça ou la bête a dû avoir une grosse force. Comment est-ce que des arbres si gros ont pu être arrachés comme ça? Ce qui est sûr, c'est celui qui a fait ça n'était pas humain. Et non, c'était pas moi. À vous tout, Jonas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le passage est entièrement bloqué. Mais en fait, Inawa et les enfants sont peut-être encore coincés là-bas. À cause de tous ces arbres abattus qui bloquent le chemin. Il faudrait mieux de chercher un autre passage, mais c'était pas le plus direct. Ok. Ce serait sûrement mieux de se séparer en plusieurs groupes. Yep. On va faire ça, hein. Hey, Flint. Ah. Vous avez trouvé Inawa et les enfants? Abriqué, tu es sûr d'être en état pour sortir de ton lit? T'es c'est vite rétabli. Je suis toujours en état, ne me traite pas comme n'importe quel éclopé. On va prendre les choses en main. On va voir ce qu'il y a plus loin, Flint. Ok. Ça c'est bien, ils sont solidaires entre les gens, ça c'est cool. Ils sont tous solidaires. Ok, vas-y. Toutes les créatures de la forêt se comportent d'une façon étrange. J'ai qu'à beaucoup d'ondes négatives ici. Ah non, je disais ça dans le bon sens, je voulais dire de bonnes ondes négatives, hein, si ça se tient. Boum boum. Ok. Je suis sous position, mais je dirais qu'un drago a escaladé la falaise ici. Ouais. Des griffes, peut-être une morsure, la mâchoire. Tu vois ces marques de griffes? Elle est sûrement d'un drago. Mais pourquoi est-ce qu'un drago se mettrait à donner des coups de griffe pareils? Puisqu'elle laisse des entailles dans la pierre. Ce sont des créatures tellement pacifiques. J'ai le sentiment que quelque chose de très mauvais est en train d'arriver à la forêt, aux gens, aux animaux, et à moi. Ouais. Pas de problème ici. Ouais.
pas grimper par là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? Bah, reviens. On peut pas grimper. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? Les animations sont un problème encore une fois. C'est la GBA en même temps. Flint, je crois que Bonnie a trouvé quelque chose. En hauteur? Ouais, mais comment y aller? Pas quelque chose? Ah, ça y sent l'odeur de quelqu'un d'important alors, je pense. Hé, hey, regardez là-haut! Il y a un bout de tissu! C'est le moment où l'un des meilleurs persos du jeu va arriver. Vous ne voyez pas? Ah, la robe d'Inawa, ça. La même couleur. Elle a dû fuir un drago. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose en haut de cette falaise? Vieux Weiss, qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, mais il n'y a rien qu'un vieux rabougri puisse nous aider. Puisse faire pour nous aider, pardon. Ah, oh, Bonnie. Ah, mais comment est-ce qu'elle a dit ça? Vas-y, Wes, qu'est-ce que tu veux nous dire, Wes? Hop là. Oh, Flint. Ne me dis pas que tu comptes escalader cette falaise. Je sais ce que tu ressens, mais c'est beaucoup trop risqué d'attaquer sur ce mur de front. Mais tu sais, mon fils pourrait peut-être se rendre utile. Je ne sais pas si ça aidera, mais ramenons-le ici pour qu'il essaye. Je vais devoir t'emprunter Bonnie un petit moment. Ça marche, Bonnie. Allez, je compte sur toi. Bonnie, ramène mon fils ici. Il s'appelle... Il est en train de dormir. Duster! C'est ça, Duster. Ah, mais j'aime trop cette musique. J'ai envie de la laisser un petit peu, parce que là, c'est le drama. Vas-y, j'appelle Duster. Un homme étrange, doté de capacités insoupçonnées. Il y a plein de personnages, ça c'est cool. Il s'appelle Duster, compris? Tiens, sans cette chaussette. Ah, c'est infect! N'oublie pas cette odeur maintenant. Ah, c'est infect en effet. Nous dit le chien. Merci Bonnie. J'ai attaché un ruban jaune à ton collier. Montre-le lui, il comprendra exactement ce qui se passe. La fameuse chaussette sale de Duster, aïe aïe aïe. Tu pues, Duster. Non, va chercher. Vous pouvez compter sur moi. Oh, c'est magnifique. Allez, vas-y, Bonnie. On croit en toi. Allez Duster, réveille-toi un peu. Mords-lui les fesses, je sais pas, fais un truc. Ah bah voilà, au pire il peut le traîner dans toute la forêt, c'est bien. La Bonnie est motivée, hein. C'est un bon chien maudit. Allez vas-y Duster, il s'en fait réveiller, ça y est. Il vient à peine de sortir de son sommeil. Ok Duster, comment tu vas nous aider? Duster, il est temps de mettre enfin à l'épreuve tes compétences de voleur, que tu as acquises depuis ton enfance. Montre-nous ta technique des agrafes murales, ici et maintenant. J'ai étudié cette technique... Attends, une voix... Eh bien, Scooby. Non, il a l'air un peu plus... Le mâchoire a l'air un peu plus, voilà... plus grave, je pense. J'ai étudié cette technique, mais c'est la première fois que j'utilise une situation réelle. Oh, j'espère que ça va marcher. Ah, parce que sinon, c'est un peu la merde, quoi. Peut-être une voix comme ça, ouais. Eh, dis donc, Scooby, attends. Cet endroit a l'air praticable. Oh. J'aime trop cette technique, l'animation est stylée. Ah, les agrafes, incroyable. Créer des échelles, c'est beau, ça. Nice. Bien joué, Duster. Félicitations. Je pensais qu'il allait escalader, mais non, ok, il crée des échelles. C'est bon, ça devrait le faire l'affaire. Bon, Flint, fais attention au montant. Ok? Allez. Je vois un peu comme ça, ouais. Je vois un petit peu comme ça, ouais, avec Duster. Hop là.
Merci Duster. Dacia Duster. On dirait que la puce est arrêtée. J'ai un léger handicap à la jambe, mais je vais faire de mon mieux. Laisse-moi t'accompagner. Nice. Duster qui nous rejoint. Pim, 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 pim. Hop là. Petite sauvegarde. Oui. Ah, est-ce qu'on va déjà faire une grotte, un petit donjon? Bonne question. Attention à toi. Ouais. C'est la même couleur que la robe de Inawa. Trouver un bout de tissu, effectivement, ouais. Attends, je vais par là déjà pour commencer. Flûte, y'a quelqu'un ici. Oh. Fait comme il y a un handicap. Ouais, comme il y a un handicap, il y a une animation, une boîte, c'est ça. C'est beaucoup de détails. Qui sont-ils ceux-là? Est-ce qu'ils sont humains? Ah ouais. Ah, ils transforment les animaux en robots. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'en fais mon affaire. Allez, Woody. Enfin, je veux dire. Flint. Il faut même des bruits de cochon, quoi. Ah, ils ont peur, hein. Oula. Ah ouais. Oh, j'ai un peu Woody, genre, ça fait mon affaire, allez hop là. Oh, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Je crois que j'ai un peu compris. Un caribou reconstitué vous attaque soudainement. Je crois que j'ai un peu compris ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont mécanisé un drago et qu'ils l'ont envoyé tuer des gens, quoi. Et ouais, peut-être au Inawa, du coup. Ok. Ok, ok, donc c'est pour ça que le titre du jeu c'est du bois et du métal. Donc la nature qui se fait souiller par les robots, par la mécanique, quoi. Ouh, coup critique. Kairbou donne un coup de corne. Ouh, 32 dégâts sur Bonnie. Ah non, je vais pas le soigner à temps, non. Bonnie s'est évanoui. Ah, j'aurais pu le soigner si j'avais été plus rapide. J'aurais dû le soigner avant. Mince. Oh, let's go. Attends, je vais voir s'il n'y a pas des capacités uniques. Force brute. Déchaînement. Un graphe mural. Je sais pas à quoi ça va servir là maintenant. Vapeur intense. Un graphe mural. Immobilisé. Nice. A raté. Balayage. Let's go, coup de pied. Ok, 17 dégâts. Sur select. Fait tourner son arme sans viagement pour infliger des dégâts à tous les ennemis. Utilise la force brute pour frapper l'ennemi, rate souvent. Ah oui, ça c'est un coup critique. Ça c'est en gros comme Dragon Quest. Une attaque qui fait soit rien, soit un coup critique, ok. Augmenter sa défense. J'augmente mon attaque. Et du coup, vas-y, agrafe murale, ça peut pas marcher encore, mais... Allez, agrafe murale. Non, ça va pas marcher, dommage. Augmente ta force. Et on attaque. Deux coups. 33, ça c'est bien. Il cible des agrafes, il est en rage. Ouh là là. Objet. Non, à frappe. Et toi, mince. Ah non, du coup, non, objet. Pain au noix. J'aurais dû donner les objets à Duster. Agrafe murale, est-ce que ça marche? Ça marche. Ok, tu peux plus bouger. Putain, c'est fort en vrai les agrafes murales. Voilà. Coup de pied, vas-y. Il peut pas bouger, on profite, 33 dégâts. Un petit soin sur Duster. Voilà. Et je refais agrafe murale, je pense, parce que sinon il va se... Ah non, je pensais qu'il allait se... Ah, il s'est libéré, voilà, il s'est libéré. Vapeur intense. J'ai un manche, Duster. Coup de pied, vas-y. On focus les dégâts. 35-43, ok. Alors, vas-y, on peut attaquer. Un coup de corne. Ok. Soin. Pain au noix. Duster. Hop là. Ok, heureusement il a attaqué Flint et pas Duster. Ok. Allez. Coup de corne. Tant qu'il est immobilisé, tu peux pas lui refaire les agrafes. C'est ça, exactement.
J'ai plus d'objets de soins. On va tenter le balayage. Et vas-y, les agrafes. Coup de corne. Ok, ok, ok. T'as plus bougé. Ah, quoi qu'en vrai, 29 dégâts. Je sais pas si c'est vraiment worth it. 39, bah il fait 34 de base en vrai. Peut-être qu'il y avait moyen d'acheter des objets de soins et j'ai pas fait gaffe. J'augmente ma défense, ça va peut-être pas servir mais. Non, ça va pas servir donc ok, vas-y. Je vais tenter le tout pour le tout. Vas-y. De toute façon, il est paralysé donc. 17, 29. 16. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le caribou reconstitué ne bouge plus. Victoire. Nice. Niveau 10. Dommage pour Bonnie qui aura pas l'XP. Merci, merci, merci. Pauvre Bonnie, il aura pas l'XP. Ah, vous allez faire quoi maintenant? Ça se mange, l'argent n'existe pas, Tazmini. Ah, l'argent n'existe pas, ouais. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Je les ai pas entendu parler d'argent. Attends, d'abord, avant de voilà, je vais sauvegarder. Oui, je sauvegarde. Je vais écraser la sauvegarde parce que sinon... Hop là. Attention à toi, passe le bonjour à la prochaine grenouille. Et t'en y a quoi dans cette grotte? Que je vérifie. Oh, des tops. Et des tops. Et des cadeaux. Top malicieuse. Ah, on dirait une musique... Je sais plus c'est quoi ce son, mais il y a éléphant dans ce nom, c'est une musique anglaise. La musique qui fait... On dirait un peu ça. Chatouille Flint, ah non, pas les chatouilles. Ma défense baisse. Allez, retourne chez toi, la top. Elles sont mignonnes. Hop là. Let's go, je récupère ça. Ah, il y avait des pains au noix ici, j'aurais dû y aller avant. Hop là. Ouais, si je meurs, je pourrais respawn ou la sauvegarde avec toute ma vie, ouais. Juste que je perdrais de l'argent, mais c'est pas grave, vu que là, l'argent sert pas. Je me dis pour plus tard. Voilà. Let's go. C'est vrai que ça peut être une solution. Alors, je retourne en arrière. Dans le paquet, il y a du pain au noix. Ah, il m'a même pas donné d'argent. D'accord, je pensais qu'il m'avait donné de l'argent, même si ça ne servait pas. Il vient de sécher. Bah vas-y, je peux faire ça, vas-y, au pire. Après, ils ont pas voulu m'attaquer. Enfin, ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer, c'est top. Hein. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. 15. Voilà. Bah, attends, vas-y, je fais. Let's go. Après, j'aurais juste à récupérer mes items. J'aurais juste à récupérer mes items, donc tout va bien. Vas-y. Let's go. Ouais bah c'est complètement inspiré de la musique dont je vous ai dit parler en fait. Ok d'accord. Oula par contre. Bah la manette. Ah voilà, ok, c'est bon. La garde. Garde les items, bah ça va, tout va bien. Les dégâts. Allez, il va bientôt nous tuer. Allez. Vas-y la top. Revenez la top, vas-y. Ne me chatouille pas, je veux juste tu. Voilà. C'est en garde. Trébuche. Ah merde. Mais si, il y a pas de référence musicale dans ce jeu, c'est cool. Voilà, 9 dégâts. Allez, Plung Flint. Plung Flint, vas-y. Elle n'arrête pas de me chatouiller, mais par contre, pour m'attaquer, il y a plus grand monde. Voilà. C'est good. Dégâts mortels. Combat est perdu. Essayez, bien sûr. Avec l'orgue et tout, la musique. Voilà. J'aime bien cette mise en scène. Elle est cool. Donc ouais, je garde les items. Pain au noix vient de sécher, c'est ça. D'accord, ok. Ça sera plus rapide que de retourner au village. Hop là. Écraser ce fichier. Oui. Hop là. Attention à toi, passe le bonjour à la grenouille. Ok. Ils ont laissé ça. Un carnet de notes comportant un symbole en forme de gouin. Le lire. Flint ramasse le carnet et l'écrit. Enfin, l'écrit, pardon. L'écriture est maladroite. Toutes les créatures ici sont minables, nous devons les rendre plus cool. Le mot d'ordre sera plus forte, plus violente, plus méchante.
Ils ont mélangé tout ça pour fabriquer de nouvelles créatures encore jamais vues. Le facilement projet chimère. Reconstituant et modifiant les choses sans faillir, sans relâche. Ok. Ok, ok, ok. Je note. Ah, la porque mobile. Ah, le vaisseau port. Le vaisseau port. Le kangourin. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne dirai rien. Après, j'ai la réponse, mais... On dirait bien qu'il n'y a aucun moyen de rejoindre notre côté. Et si on descend? Non? Que penses-tu du moineau, voilà, qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi t'expliquer ce que sont les talents. Donc toi, c'était... C'était un peu être excentré, ok. D'accord. D'accord, d'accord, ok. Ce qui s'est passé avec les agrafes, par exemple. Pas de problème ici. Ok. J'aime bien qu'il n'y a aucun moyen de rejoindre notre côté, bon. Faut retourner en arrière alors, j'imagine. Hop là. Un objet extrêmement suspect, que qu'est-ce que ça peut être? Ok. Hop là. Peut-être qu'il y a du nouveau derrière, je sais pas. On va voir. Salut! Oh, Fit et Duster, content de voir que c'est sain et sauf. Dégager du chemin. Ok, d'accord, ils ont dégagé le chemin. C'est nice, ils ont fait ça vite. Pardon, pardon. Petite save, c'est jamais. Il dit que je pourrais faire une save d'émulateur, mais vas-y, je joue clean. Je joue clean sans save state. Pour l'instant. Hop là. Flint! Ah, Joël. On a trouvé les enfants. On dirait qu'ils sont échoués ici après être tombés de la rivière. Je m'occupe de Bonnie. Va vite les retrouver. Allez, viens, Bonnie. Ok, ça marche. Ah, y'a pas trop envie, Bonnie. Tu verras plus tard que les combats de boss sont vraiment pas simples. Oui, clairement. Clairement, clairement. On va du farm à faire et tout aussi, j'imagine. C'est normal. Hop là. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Bien sûr qu'Inawa s'est mise à l'abri de la pluie quelque part. Cette forêt ne ferait jamais de mal aux habitants de Tazamedi. Si quelqu'un ose faire du mal à Inawa, je... lui botterai les fesses. Même si c'est un moucheron ou une fourmi. En gros, pas de pitié. C'est ça. Pum pum. Hey, let's go. Allez, hop. Hey, Flint Duster. Par ici, par ici. Ok. Hop là. Ah, les enfants. Lucas. Ah, bah là, du coup, Lucas parle, vu qu'on joue Flint. Papa. Ah là. J'ai fait du thé, n'est-ce pas, Flint? Prends-en un peu, ça te réchauffera. Tenez, tout le monde devrait faire une pause et venir se réchauffer près du feu. Ah, ils sont frigorifiés, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je me demande à quel endroit Klaus et Lucas sont tombés dans la rivière. En tout cas, je suis content qu'ils soient sains et saufs. Je vais leur parler. Papa. Klaus ne dit plus rien. Ils sont tous les deux tombés de la rivière quand il les a emportés jusqu'ici, les pauvres petits. Oh. Flint. Oh, il a une plus grosse tête que tous les autres. Qu'est-ce qui se passe? Flint. Je suis pas sûr de savoir quoi dire. Mais reste calme et écoute-moi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Non, laisse-moi commencer par la bonne nouvelle. J'ai ramassé un gigantesque croc de drago. Ça pourrait faire une très bonne arme. Je me suis dit qu'il pourrait peut-être te servir. Et pour la mauvaise nouvelle... La mauvaise nouvelle, c'est... C'est là où j'ai trouvé le croc de drago. Il était dans le... Il était planté dans le cœur de ta femme. Constaté, maître. Très sale. Très très sale. Ah ben là... Ah ben oui. Donc elle était bien morte. Flint. Essaye de rester calme.
pense que si Klaus et Lucas sont maintenant sains et saufs, c'est uniquement parce que Inawa a réussi sa vie pour les protéger. Ah, ça se sentait, hein. Je l'ai senti venir un peu, là. Flint. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est... Ah, il devient fou. Flint. Flint, je ne sais pas trop quoi dire. Je t'en prie, ressaisis-toi. Ah ouais, il pète un peu les câbles, ouais. En même temps, tu m'étonnes, ta femme est morte, donc... J'ai les larmes aux yeux, bah ouais. Arrête de taper les gens. Flint, où est-ce que tu fais? Tiens, c'est Lucas, nous regarde. Ouf. Avec le gros gros bout de bois, là, il l'a bien assommé, là, ouais. En même temps, vu comme il est fort... Ah... Les souvenirs... C'est les émotions. Ah bah oui, bien sûr. Attends, je cache. Attendez, je suis en train de cacher, là, le... Oh, bah, il y a eu un raid là, d'un coup là. Salut Timéo Juro, merci pour le raid. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. Ah, bah, pas mal ce moment, tiens. Pas mal, pas mal. bienvenue à toi sur Mother 3, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue. Ah, on est passé, on a passé un sacré moment là, hein. On a passé un moment qui était un peu, ouais. Ah, très triste et très important dans l'histoire, j'imagine, là, hein, ouais. Ah, avec la mise en scène et tout, ouais, ça se sentait que ça allait arriver. Bah, j'espère que ça va bien, Timéo Juro, bienvenue à toi, bienvenue, bienvenue. Est-ce que toi aussi t'étais sur ce jeu ou pas du tout? Bienvenue à toi. Aïe, aïe, ouais, du coup, ils ont dû calmer Flint. Ils ont mis un petit coup, ils l'ont mis dans la prison. Ok. Ah, mais je l'ai senti venir, hein, le truc, en vrai, hein, je... Toute la mise en scène et tout, genre... au départ, moi, je pensais... Bon, je pensais pas que c'était les deux enfants. Je pensais pas que c'était tout le monde, mais je sentais qu'il y avait quelque chose avec sa femme et tout. Le fait qu'elle envoie la lettre et tout, et que c'est à ce moment-là qu'il dit « Ouais, mais est-ce que les enfants sont de retour et tout ?» Alors, j'ai senti que c'était par rapport à sa femme. Je l'ai bien senti, mais ouais... Aïe, 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 aïe. Ça sent dès le début à cause de l'ambiance. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, ça met un truc tout gentil, tout mignon, et après, ça te met l'incendie, ça te met les bombes, etc., les cochons. Ouais, coup dur. Coup dur, coup dur. Avec le bout de tissu là, bien sûr. Le bout de tissu, c'était la confirmation. Le bout de tissu, bien sûr. C'était la confirmation. Après, il y a toujours l'espoir qu'elle soit encore en vie et tout, mais là, non. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. Personne n'avait jamais été enfermé dans la prison de Tazmili jusqu'à maintenant. J'ai l'honneur d'être le premier. Aïe, aïe. Flint, tu as flanqué une sacrée dérouillée à Aurel et Abbé. Mais ils vont mieux maintenant. Concernant Inawa... Je peux que t'adresser mes plus sincères condoléances. Mais tout de même, pourquoi est-ce qu'un drago attaquerait quelqu'un? Bah les dragos, les cochons. Les cochons, ils l'ont modifié pour qu'ils soient mécaniques. Ce sont des créatures si pacifiques. Laisse-toi aller ici un moment. J'imagine bien que c'est très dur pour toi tout ça. Mais essaye de dormir. Ce croc de drago qui avait été planté dans la poitrine de Inawa, je te le garde. Quand tu sortiras d'ici, passe chez moi pour le récupérer. N'oublie pas. Bah... Récupérer le croc qui était dans le cœur de ma femme, c'est pas terrible, ça fait mal. Hein. Pas de problème ici.
La cellule est verrouillée. Jinx n'a pas été utilisé depuis longtemps. Non, c'est rouillé, pas verrouillé. Pas de problème ici. On aura besoin de la suite. Ouais, j'imagine, mais bon... c'est violent quand même. Et oui, c'est pour ça, il y a plein qui se disaient, mais attends, c'est possible qu'il y ait ça dans un jeu Nintendo? Bah oui, hein, complètement. Hein. Il y a des jeux Nintendo, ben, on voit les Fire Emblem par exemple, il y a des moments assez durs. Hein. Ben là... Ah, mais pourquoi ils ne le ressortent pas, là? Il faut le ressortir, ce jeu. Bon. Pas de problème ici. Ok. Ah! Klaus. Papa, c'est moi, Klaus! Aïe, aïe. Mon cher Klaus. J'ai dit à Lucas de venir ici. Il pleure sur la tombe de maman depuis tout ce temps. Papa, je vais te laisser cette pomme ici. Le trognon sera peut-être un peu dur, mais... Le trognon sera peut-être un peu dur, mais il faut bien que tu la manges. Je vais devenir plus fort. Je vais devenir tellement fort que même les dragons n'auront aucune chance contre moi. Papa, je... Aïe, aïe. Mange la pomme, oui. Finn obtient la pomme. Ah, faut bien manger. Dans la pomme, il y avait une lime. Ah, c'est pour ça que le trognon est un peu dur. Ça marche. Facturer la cire avec la lime, oui. Sympa ce Klaus, bien joué. Bien joué, bien joué, mon cher Klaus. Tout. La DA ne vieillira jamais, comme c'est en 2D, mais ils sortent le jeu aujourd'hui, ça passera nickel. Bah ouais, hein. Bah ils l'ont ressorti sur le Nintendo Online, mais de la Switch japonaise. Et ça passe nickel, hein. Franchement. Mais c'est ça que les jeux 2D, c'est que ça vieillit pas. Il y a certains, ils ont plus vieilli que d'autres, mais lui, il a vieilli, pas vieilli du tout. Du tout, du tout. C'est beaucoup de jeux de GBA et de Super NES, ouais. Même de certains de NES, en vrai. Je suis pas sûr de ça. Là, je suis pas sûr de savoir quoi dire. Arriver à Inawa est une terrible tragédie. Je peux pas vraiment dire que je comprends ce que tu ressens. L'enterrement d'Inawa s'est terminé sans incident. Puis Lucas n'a pas cessé de pleurer devant sa tombe. Ah, du coup, il a manqué Il a manqué ça, quoi, Flint. Son pauvre petit cœur semble sur le point de se briser en deux. Si je fais quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas à me le faire savoir. Ouais. Merde. Il a manqué l'enterrement, oui. Ah, c'est triste. Non seulement il a pris ça comme ça, et en plus il a manqué l'enterrement, quoi. C'est chaud. Bon, je cherche pas de shérif. Après tout, il n'y a pas de crime. Ouais. Jusqu'à maintenant, du coup. C'est la maison de Régie. Dans son tipi, bien sûr. L'Indien. Pas de problème ici. Pas de problème ici. Bon bah... ça va être une création artistique de Régie. Voilà. Bah, ok, c'est l'Indien, d'accord. Ah, peut-être pour ça qu'ils veulent pas le ressortir par rapport à l'Indien. Ils ont peur que ça fasse... qu'elle soit mal vue aujourd'hui. Bon non, ça va. Si on remet dans le contexte de l'époque, c'est rien. Même si en vrai, c'est pas grand-chose. C'est... Bazar de Thomas. Salut. Ça aurait été à ce point inutile. Bon, enfin, c'est le bazar du village. Si t'as besoin de quelque chose, vas-y, sers-toi. Bon, bah, Pat. Oui. Oh, tout est gratuit, c'est bien. Oh, cette musique. J'aime trop. Voilà. Le pain derrière toi, je le veux. Oh. Du coup, tout est gratuit comme il n'y a pas d'argent. Yep. Ah ouais, bah, je prends tout alors. On prend tout. Ouais, c'est ça, c'est la ville où vraiment tout est gratos, c'est bien. Flint, je suis désolé, je trouve pas les mots. Aïe, aïe. Je sais que c'est très dur pour toi, mais au moins essaie de te montrer fort devant tes amis, d'accord? Ouais, ouais, t'inquiète pas, juste j'explore un peu. Pas de problème ici. Dans l'autre chambre, il y a quelqu'un. Grenouille, bon, pour le sauvegarder. Un cadeau. Un antidote, nice. Hop là. Ah, c'est bien, on peut courir en intérieur aussi, ça c'est cool. Yado. Yado, yado. Ah, on sent que l'ambiance elle a changé là du coup.
Et puis il y a ce côté aussi, bah, qui arrive aussi quand on perd quelqu'un, ce côté où genre tous les autres gens, bah, ils font un peu leur vie, ça a rien changé pour eux, enfin si. Ils sont tristes pour nous, mais voilà, ils continuent à faire leur vie alors que nous, on n'arrive pas à passer outre. Mais ça aussi. Oui, je m'ai frappé, j'ai oublié aussi. En partant d'ailleurs, c'était vraiment rien. Abbé Arwen ne vous en tiennent pas rigueur, alors j'en prie, ne vous en faites pas. Bah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ils nous comprennent, c'est bien. Salut! Oh bonjour, ce n'est pas moi qui l'ai placé dans cette cellule, vraiment, c'est pas moi. Ah ah! C'est ça. Je comprends ce que tu peux ressentir, mais je t'en prie, de te déchaîner sur les gens. D'accord. Je ne me déchaînerai pas, promis. Pour l'instant. Salut! Très occupé, très occupé, Sébastien. Ah, JDG, tu prépares un prochain JDG, c'est ça, je te comprends. Il est en mode David Boudinov, c'est pour ça. Oh, ça va, les dragos! J'ai aucune rancune contre toi. J'ai bon cœur, tu sais. C'est bien. Ça devrait pas être drôle ce genre de réplique, mais dans ce contexte là, c'est marrant. Avec le petit arrêt avant en mode bah non, j'ai bon cœur. Allez. Let's go, j'ai les crocs. C'est une très vieille tombe. C'est une très belle tombe que le vieux Nanipolite a faite, en fait. Mais. Tu es rentré à la maison. Bon, le visage de Lucas en larmes, c'est simplement trop dur pour moi. Et sinon la corde, le marteau, je veux le marteau, c'est bien. Ça c'est quoi? Pas de problème. Ok. Un four pour chauffer le fer au rouge, ok d'accord. Ouais. Bon, faut voir Lucas alors j'imagine. Ok, bon. Ok, ok. Pas de problème ici. Problème ici. C'était qu'un simple corde. Ok, c'est pas un problème, j'avoue. C'est qu'une corde à linge. C'est pas un problème. Non, non, ça va. Bon. Je sais pas où c'est le. Par là, peut-être. Essayer de trouver Lucas, du coup. Ça, c'est quoi? Le bureau du shérif. C'est là d'où je viens. Là d'où je viens. Hop là. Du coup, Duster est parti. Hop là. Let's go. Les petits oiseaux. Les oiseaux. Petit cadeau. Champi comestible, nice. Ah, je pensais qu'on pouvait lui parler comme il était pas parti, mais non. Juste il a pas eu peur au départ. Moi c'est Nana, j'aime l'océan. D'accord. C'est bien, c'est bien, d'accord, j'ai cherché ici pour trouver une meuf qui s'appelle Nana et qui aime l'océan. Bah, on est deux nanas, j'aime bien l'océan aussi. Y'a pas de soucis, vraiment. Oh. Ah, je pensais que c'était un cadeau plus gros, mais non. Ok. Alors... Ah bah... Ah oui, ils parlent pas, eux. Ils veulent pas parler. Bah, parlez-moi un petit peu. Rourou, bah rourou. Rourou, dit le pigeon. Bon, du coup, c'est pas par là. Hein. Ok. Peut-être à droite, du coup, pour voir Lucas. Là, c'est le chéri, du coup, peut-être à droite. Bon, ça, c'est le. Ça, c'est Reggie. Voilà. Peut-être à droite, du coup, pour voir le cimetière. Hop là. Alors, un conseil de moineau. Pendant qu'on monte, parfois oublier la fonction de certains objets. Appuie sur Select. Ok, ça marche. Merci le tuto. Merci beaucoup le tuto moineau. Ah, l'herbe est une autre couleur ici. Chien errant. C'est tellement plaisir que tu prennes le temps de parler au chien errant. Bah, moi aussi, ça fait plaisir. Je pense un peu à tout le monde. Ah. Je suis Filou. Quelque chose de bon et de pas bon est en train d'arriver dans ce village, je le sens. Mais c'était que moi qui me rends dans mon coin. Oh, Flynn, c'est gentil d'être venu. C'est pas toi qui as appris tous ces vilains mots, mon adorable petit Myrna? Je suis pas empaillé, je suis vivant, je suis bien vivant, non dit Jou. Non dit Jou, j'aime bien. Non dit Jou. Ça j'aime bien. Attends, l'ours en peluche. Le gros nounours chéri de Phil. Oh là là. Le gros nounours chéri, ça c'est beau. Ouais.
coup, c'est bien ça qu'il faut trouver la tombe. On est d'accord, il faut trouver la tombe d'Inawa et donc trouver Lucas, c'est ça? Hop là. On peut rien porter de plus. Ah! Objet. Sans blague, la mort d'Inawa me rend plus triste que ça dérise dans FF7. Ah bah, les deux ont leur importance, mais oui. Ah, c'est que pour le coup... Après, est-ce que t'avais fait FF7 à la base aussi? Je sais pas. Mais Yep, c'est ça, l'étonnant de Tazmili, d'accord, merci. Ah, est-ce que je peux pas enlever un truc? Oh, vas-y, je vais être un antidote. Ah non, donner. Attends. Non, on peut pas... Y'a pas de réserve, donc je jette, vas-y. Jette un antidote. Voilà. Et je récupère ça. Donc c'est bien au nord, ok. Du fromage étrange, let's go. J'avais fait il y a longtemps, mais j'avais regardé l'aspect du remake sur PS4, là. D'accord, ok. Ok. Ça marche. Bah, elle a son importance aussi, et d'autant que c'est le truc avec Aerith, c'est qu'elle en passe plus de temps avec. Là, le truc c'est avec Earthbound, c'est que ça met vraiment en avant les émotions et tout, et... Bah, tu lui ressens beaucoup, et c'est ça qui rend ça si fort, en fait. Même si on a vu que très peu de temps. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien fait. Attention à toi. Allez, let's go le nord. Petit, c'est le nord. Salut, Régis. On peut oublier les bonnes choses, on peut sûrement faire pareil avec les choses tristes aussi. Tout le monde a le pouvoir d'oublier. Ouais. Comme la question que j'ai oubliée tout à l'heure, qu'on m'a posée. Hop là. Salut. Hippolyte. Monsieur Flynn, c'est une terrible tragédie, les mots me manquent. J'ai humblement préparé une tombe de la plus haute qualité pour vous. Votre femme y repose aujourd'hui. Une fois le moment venu, vous pourrez reposer à ses côtés. C'est une très belle tombe, oui. Ah oui, d'accord, il fait une tombe pour moi aussi, bien super. Cette pierre tombale a un curieux problème de stabilité. Il a bien gagné ce tombeau-là. Un beau tombeau en tombac. Une tombe qui te semble tomber du ciel, ok. Tombe. Il semblerait que ce soit un nouveau genre de tombe. Ok. Je vous laisse vous occuper du reste. Ça c'est marrant, j'aime bien. Là c'est quoi? Pas de problème ici. Ah, une belle tombe de qualité. Ah, celle-là elle est pas trop de qualité. Vu son état, le projet de rénovation de cette tombe semble être tombé à l'eau, ok. Ouais. Tu m'étonnes. Celle-là. Une tombe qui tombe en ruine. J'aime bien les petits jeux de mots à chaque fois. Cette pierre tombale a un curieux problème de stabilité, encore une fois. Celle-là, elle est bien. Réservée. C'est marrant. Les vrais connaisseurs savent que c'est l'appel ultime de la plus haute qualité. C'est vrai. Ah, et du coup, tout le monde est réuni, donc je suppose que c'est celle de. Inawa là-bas. Ouais. Papa, je croyais que tu m'avais dit qu'on pouvait tout réaliser si on priait du plus profond de son cœur. Maman peut même plus me punir maintenant. Je veux pas que ce soit comme ça. Oh, ça fait un bail. C'est moi. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu au village. J'ai couru jusqu'ici dès que j'ai appris pour Inawa. Alors que je venais juste de passer un moment merveilleux avec mes petits-enfants. Désolé. Tiens, maintenant que j'y pense. Où est Klaus? Il est pas avec toi? Il avait dit qu'il allait te voir, mais il n'est pas revenu. Ouais, bah il est parti. Lucas, tu sais où Klaus est allé? Non. Lucas, c'était pas bien de garder des secrets. Ne me dis pas que Klaus est allé trouver cet abominable drago pour tenter de... Non! Il n'a pas pris le couteau de papa pour aller dans les montagnes et tuer le drago? Ah. Heureusement que tu as appris à être honnête, Flint. Est-ce que Klaus pense honnêtement qu'un couteau artisanal peut tuer un drago? Lucas, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Je lui ai dit que je voulais venir aussi, mais il m'a dit non parce qu'il voulait y aller seul. Donc tu l'as laissé partir? Idiot! Ne traite pas comme ça, quoi, le pauvre Lucas. Peut-être été un peu dur. Flint, on dirait bien que Klaus est parti dans des montagnes tuer le dragon qui a tué sa mère. C'est une course contre la montre, mais on n'a probablement pas à faire un dragon ordinaire. On aura besoin d'un bon équipement. Trouve une bonne arme pour affronter un dragon, puis viens vite chez moi. Mais le croc, du coup. Le croc, et let's go. Viens me retrouver à la maison quand tu seras procuré une arme. Tu te rappelles où j'habite?
avant le vieux quartier pour qu'il t'indique l'endroit sur la carte. Je crois qu'il est sur la pièce du village. Et de fleurs. Épouse de Flint, mère des jumeaux Klaus et Lucas, fille d'Alec. Lisa Slubin Nawa reposait en paix ici pour toujours. Ouais, c'est ça aussi qui marque aussi de Earthbound, c'est que toutes les autres. C'est que toutes les autres tombes, il y avait une blague. Celle d'Inawa, évidemment, il n'y en a pas une. Évidemment, c'est logique. Mais du coup, c'est fort ce côté où justement. On sent. Le jeu, il est drôle et tout, mais il sait ne pas l'être. Pour mettre du drama, mettre du drame, justement, il y a un côté tragique. Il sait ne pas l'être. Donc. Ça, c'est bien fait. Il sait plaisanter quand il le faut, il sait mettre du drama quand il le faut. Contrairement à certains films qui sont sortis récemment et qui. Où c'était pas le cas, genre vraiment, il y avait un moment de drama, mais finalement. Ah, salut! Salut! Ah! Je peux pas lui parler. Non. Ok. Je l'aime bien celui-là. Hop là. Et le croc. Et après, let's go voir notre cher Alec. Voilà. Ok. Flint, prends ça et vas-y. C'est le fameux croc de drago. En effet, une arme. La seule chose qui puisse percer la peau dure d'un drago est un croc de drago. Y a pas d'autre arme pour vaincre un drago. Hey, ton inventaire est plein. Ah, mince. Je vais jeter l'antidote. Je l'ai trop pris. Je vais en jeter deux, comme ça au moins on est bon. Jeter. Voilà, et jeter. Oui. Ok. Voilà, donne-moi le croc. Tout de suite. Notre arme, voilà. Donc il n'y a pas d'autre arme qui puisse les baisser. Ok. Seul Flint peut lui faire du mal. Je m'en compte, c'était peut-être dur pour toi d'accepter, mais tu dois le prendre. Ouais, tu m'étonnes. Allez, let's go. Alors Alec, il habite où déjà? Je sais plus, vas-y quartier. Maison d'Alec, tiens, je vais te l'indiquer sur la carte. Merci monsieur. Je vais indiquer la maison d'Alec. Voilà, sois prudent. Ouais. Ouais, ok. Ok, ça marche. Ça marche. Ok. Sinon tu lui fais un ou deux dégâts seulement sans le croc, c'est ça. Ça, donc vaut mieux... Vaut mieux le prendre, effectivement. Après, niveau défense, c'est pas trop ça. Peut-être qu'il y a de meilleurs équipements au village qu'on peut avoir, du coup, gratuitement. On va voir. Alors... Hop là. Voilà. Attends, c'est quoi? Auberge. Bon. Bon, moi je crois que je suis bien là en vrai. Vas-y. Hop là. Bah, sonorité là. Ça sonne GBA. C'est. Il y a les mêmes dans Pokémon Ruby, Saphir, Emerald. Hop là. C'est fait d'une manière tellement spécifique qu'on reconnaît bien. Voilà. Et du coup, on va passer. Non, par là du coup. Hop là. Il y aura d'autres ennemis, j'imagine. Oula. Ah oui, effectivement, j'ai même pas vu venir. Une mante religieuse. Pam pam pam. Exactement. Pam pam pam. 56 dégâts. Ah oui, c'est fort. C'est fort en chocolat, ok. Petite mante religieuse, bien sûr. Pam 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 pam. 58 dégâts. Nice. Ça donne pas d'XP, donc heureusement. Sinon, on pourrait farmer facilement là, quoi. Voilà, bonjour. Ah, l'autre souris, elle vient pas m'affronter. Souris, j'ai parlé avec une musique espagnole, pourquoi pas. Si, si, olé. Vamos, vamos. Cache la nourriture qu'elle transportait. Ah, elle survit, elle, quand même. Coup critique, ok. Les montres religieuses font toujours one shot, elles ont aucune défense, d'accord, ok. Putain, il me fait que des crits là, ça suffit? Putain, mais Critman! Critman, le nouveau. Le nouvel ennemi, c'est Critman. Oh! Pas bien grave. Olé, samba! Et c'est parti pour les shows! C'est tellement ça en vrai. Voilà.
Bah moi j'ai pas streamé encore plus longtemps en vrai. Je pense un petit peu plus, histoire de voir un peu, voilà. Plus loin, mais après j'arrêterai, je pense. Pain aux noix. Nice. Le petit pain aux noix qui fait plaisir. Et zwip. C'est vraiment juste pour histoire de découvrir un peu. Voilà. Heureusement j'ai esquivé les serpents, sinon j'aurais besoin d'antidote. Hop là. Souris volante. Arrêtez avec vos morsures là-haut. Voilà. Attaque combo. Voilà. Attaque morsure. J'aime bien le jeu. Bah évidemment. Évidemment que j'aime bien le jeu. C'était sûr que j'allais bien aimer le jeu. Vu que c'est un Mother, évidemment. J'aime prendre cette licence. Bah oui, évidemment que j'aime beaucoup. Bah je me sens à la maison là. Parce que là j'ai bien aimé le 1 et le 2. Donc là pour le coup c'est mes familiers tout ça. C'est complètement familier donc bah, je suis content. Je suis content. Pain aux noix. Oh. Je vais en manger un de pain aux noix, tiens. Pain aux noix. Oui. Utilisé. Voilà. Et je prends. Parce que ouais, c'est très similaire. Niveau ambiance et tout, c'est très similaire. Je me disais bien que t'allais beaucoup aimer. Ah bah oui, complètement. Ah oui, mais là, sérieusement, c'est vraiment incroyable. Oh. Ah, je pensais que c'était un ennemi. Ah. Oui, oui. La maison dans laquelle je vivais en secret a brûlé. Tant pis. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de prendre la route. D'accord, ok, je pensais qu'il allait mener à un endroit différent ou quoi, mais... Ouais, bon, j'ai bien fait de retourner ici pour voir s'il y avait un truc qui avait changé. Ok. Voilà. Mais ouais, si l'ambiance d'Earth Band, elle est... Bah, elle a toujours été comme ça, donc c'est cool. Franchement, j'aime bien. Hop là. Ah non, la patate douce. Une patate tueuse cuite. Elle se retourne. Elle fait bien plus peur maintenant. Grimace terrifiante qui fait baisser l'attaque. Bon, ça va. En vrai, ça va aller. Tranquille. Tranquille, tranquille. Victoire! Un paquet. Patate douce. Peut rien porter. Je jette pas. Non. Abandonne la patate douce, oui. Tant pis la patate. Donnez-nous la patate. Aïe. Oh là là, la souris. La souris volante. Tant si j'essaie de fuir. Puis réussi. Voilà. Un peu la flemme de l'affronter celle-là. Ah, le serpent. Le serpent, le serpent. J'espère qu'il va pas empoisonner. C'est dommage à pas avoir. Il donne plus de PV qu'un simple pain en noix. Ah ouais? Ah bon, c'est pas grave. C'est gros vénineux, vénéneux. Vénineux, pardon, vénineux. Mais pas empoisonné, c'est bien. J'allais dire pile après avoir jeté les. Ah là, il m'a empoisonné évidemment. Oh, j'ai encore un antidote, ça va. Ah, il s'enroule. Les serpents, c'est vraiment les pires. Les serpents, c'est vraiment les pires. Le poison. Morsure. Poison. Bon venimeux. Poison. Merci. Allez, let's go. Ok, ok. Maintenant. Objet. Déjà, pain aux noix. Utilisé, oui. Et un deuxième. Est-ce que je suis toujours empoisonné? Oui. Ok. Ok, ok, ok. Antidote. Voilà. Let's go. Allez, hop. Oh, ça y est, le serpent, il commence à se ramener. C'est bon, je fuis. Je m'en vais. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir, au revoir. Non, non, quand il y a le serpent qui se ramène avec son pote, non. Ok, bonne direction, nice. Heureusement, la patate ne bouge pas, sinon elle serait venue. Vas-y, frappe. La souris volante, je peux bien la taper, je veux bien. Le crit. Putain, les souris volantes, elles font beaucoup de crit, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Enfin, je me suis beaucoup pris de crit, en vrai, dans le jeu, pour l'instant. Hein. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Victoire, victoire, victoire. Hop là. Hop là. Nice. Ah. Un puissant ambulant. Je me disais, attends, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Soin. Oh. Merci. C'est gentil. Merci de me soigner, mais c'est très gentil. Eh. Pour la peine, je vais te tuer.
La sympathie de l'affection. Ah. Oh. Du coup, c'est un... de l'air frais. Flint se sent mieux. Ah, bah, il est bien ce buisson. Je peux pas le recruter. Et il s'en va. J'aime bien ce genre d'ennemi là. C'est cool. C'est drôle. Oula. C'est quoi, c'est des chats ou des chenilles? Une chenille bouffie et ses acolytes. Ok. 7 dégâts. Ils ont toute leur petite musique, c'est bien. Maîtrisé. Oh, c'est que ça, c'est tranquille. Oh non, il appelle ses potes. Ah, oh, ça va durer une plombe. Soin, mais sur son pote là, lui. Oh. 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 Je n'ai bouffi attaque. Je vais attaquer en boucle. Je vais attaquer en boucle et je vais même utiliser l'émulateur pour ça. Donnez-moi ça, la magie. Oh non, ils viennent en boucle. Ils viennent se soigner en boucle. Oh, c'est terrible. Oh là là, ça va durer une plombe. Si jamais je meurs pas aussi, c'est possible. Les PV rendus varient sur le personnage. Que vous pouvez aimer ou pas. Bon, je pense que Flint, il aime un peu tout. Vas-y, peu en noix, mais... Vas-y, allez hop là. Ok. Ok, ok. J'ai fait attaquer alors que je voulais pas. Bon bah, c'est mort. Bon. De toute façon, je comptais arrêter là. De toute façon, je comptais arrêter là. Ok. Ah ok, bah les chenilles bouffies, c'est l'enfer en fait. C'est juste, elles reviennent en boucle et tout. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, bah, bien sympa ça. Bien sympa cette histoire. Aïe, 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 aïe. Terrible, terrible. Première mort, ouais, elles sont chiantes. Ouais, mais elles rapportent beaucoup d'XP, j'imagine. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais ouais, je continuerai ça de mon côté. C'était juste histoire d'y jouer un petit peu en live pour le découvrir en live. Mais c'est le genre de jeu que je fais de mon côté, ça. Donc, ouais. Et comme j'ai fait le premier et le deuxième de mon côté, bah, c'était très cool. C'était très sympa. Très sympa, très sympa. Dragon Quest 9 ce soir, normalement. Et bah, peut-être je recommencerai le jeu en version anglaise. Peut-être en version française, je sais pas. Je me suis un peu habitué au nom français. Content que t'apprécies le jeu. Bah ouais, franchement, très cool. Très sympa, excellent. Donc, moi, je suis content. Moi je suis content, le jeu était très sympa. Bah, bonne ambiance le jeu. Bah, c'est Earthbound en même temps, c'est Earthbound donc évidemment, Mother. L'ambiance est folle, l'ambiance est cool. Voilà. Mais ouais, du coup, je vais m'arrêter là. Très sympa, très bon après-midi. Passé un très bon moment, ça c'est cool. Ça c'est très bien. Hop là. Ça, c'est ici. Let's go. Et ouais, je ferai ça de mon côté, le reste. Mais ouais, c'est déjà une belle intro. Hein. Franchement, le fait de faire mourir un personnage comme ça dès le début. C'est fort. Et ben on comprend mieux Lucas. Hein. Et puis sympa, je trouve, ils se sont fait plaisir. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ouais, faut que je vois, ouais. Peut-être en version française, ouais. Tant que j'y suis, vu que j'ai commencé déjà là, c'est peut-être bien de continuer. Mais ouais, c'est belle intro. Franchement, bah, c'est du Earthbound, c'est du Mother, donc c'est dans la lignée, la tradition pure. Donc, bah, c'est cool. Même si celui-là, je sens déjà qu'il est différent. Je sens déjà qu'il est différent et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, vraiment. Même si je connais la licence, je sais qu'il y a des trucs très différents là dans celui-là déjà, et ça c'est cool, ça me plaît. Mais ouais, moi je vais y aller, normalement ce soir Dragon Quest 9, ou pire de toute façon, si vous voyez pas de notif, vous en faites pas, c'est que je live pas. C'est comme ça de toute façon. Et puis voilà, c'est très cool ça aussi Dragon Quest 9, donc il faudra que je farm. Ouais, ça va être du farm ce soir si j'y joue. Ouais, bon, on verra. Allez, bah écoutez, bah, bonne soirée. Bon début de soirée, bonne fin d'après-midi. Peut-être à ce soir pour DQ9 si j'y joue. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ah, mauvaise touche. Ciao ciao. A plus. Salut mon pote.